Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming. Vraie question, comment allez-vous? Et je lance un petit peu tard, mais j'avais prévenu de toute façon pour cette dernière semaine que je lancerai probablement chaque stream assez tard. Parce que entre le travail de type école, et oui, c'est pas une blague, et le travail que j'ai avec mon mini-stage, et bah forcément, je ne peux pas lancer forcément très très tôt. Eh bien écoutez, pour le programme de la journée, on va aller sur Animal Crossing pour la dernière fois de cet été, de août évidemment, parce qu'en septembre j'essaierai de rester un peu actif sur le jeu, notamment peut-être les vendredis, mais les mercredis soirs, notamment les deux premières semaines où normalement ça devrait aller, je devrais pouvoir streamer le jeu sans souci. Mais après ces deux mercredis-là, je sais pas si mon emploi du temps me le permettra parce que je n'ai pas regardé mon emploi du temps et j'ai pas envie. Mais enfin bref, ce soir, on finit normalement le DLC de Sonic Frontiers. Hier, j'ai pété un câble, je suis passé en mode facile. Encore une fois, à cause de Sonic. Sale petite merde! Parce que c'était impossible ce que je faisais sinon. Mais enfin bref, on reparlera de Sonic tout à l'heure, juste à dire que Tails, Amy et Knuckles sont bien plus agréables que Sonic à manier. Mais ça, c'est une autre histoire. Eh bien écoutez, pour aujourd'hui sur Animal Crossing, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien écoutez, on va très probablement time traveler, comme le dit le titre du stream, la téléportation dans le temps pour finir le poisson d'Ex. Objectif du jour, finir le poisson d'Ex et évidemment en profiter pour avancer le plongée d'Ex et le insecte d'Ex. Quoique non, l'insecte d'Ex, je peux pas trop. Parce qu'il y a un seul insecte qui est disponible hors août, mais tous les autres sont disponibles que en août, pour moi. Donc ça veut dire l'insecte d'Ex, faudrait que je le tryhard là, pour le réussir. Alors que le poisson d'Ex, j'ai un poisson qui est dispo en août, et les deux autres ils sont dispo, je crois, en décembre et en janvier. Ils sont disponibles, un truc comme ça. Et après, le plongée d'Ex, je peux juste avoir deux trucs, et tout le reste, pareil, c'est en hiver. Donc, alors, mon petit Animal Crossing, voilà. Et évidemment, avant ça, ce que nous allons faire, c'est un peu regarder le musée, l'entrée, voir si on peut l'améliorer. Regarder s'il y a des villageois sur les Discords, pour voir si c'est intéressant d'essayer de les choper. Pareil sur le camping, si c'est intéressant. Voir les tableaux de Runar. Et voilà. Donc, écoutez, on est parti. Bonjour à tous, chers résidents de Lille. En ce mercredi 28 août 2024, il est actuellement 17h13 sur notre belle la ville. Oh, on vient de me dire que Pollux passe sur la ville aujourd'hui. Pollux, c'est le putois, je crois. Je ne sais plus du tout à quoi il sert. Officiellement, il n'est peut-être venu que pour prendre un peu de repos. Mais je sais bien qu'il est toujours partant pour acheter du poisson, si vous êtes prêts à lui en vendre. Sur ce, je retourne à mes activités afin que chaque instant que vous passez sur cette île soit enchanteur. Ouais, Pollux, j'avais oublié. Ouais, bah c'est un vendeur de... Enfin, c'est un acheteur, pardon, de... De poisson papa. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, oui. Normalement, là, on a un gyroïde qui est censé avoir poussé. Ah, c'est lui, Pollux. Je crois que c'était le putois. Oh, mes renards qui sont là. Monica, bonjour. Viva, wesh, mon chiwi. Je pensais justement à toi. Et si on discutait? Tiens, je voulais te dire, je te kiffe trop. Je le pense vraiment. Trois, il n'y a pas de trois. Mais non. C'est incroyable. Moi, je la kiffe aussi. J'ai commandé ta peluche un jour, elle arrivera, Monica, je te la montrerai, IRL. Eh oui, bah du coup là nous avons les petites choses qui sont faites. Ici on a le petit espace de... Ah oui, j'allais dire, est-ce que cette plante elle est pas assez à droite? Mais je crois que je peux pas faire plus. Là on a le petit espace de chef. Là on a mon espace à moi. Là on a l'espace... L'espace de Monica il est un peu triste en vrai, faudrait que j'en ajoute des choses. On a le petit espace de blanche. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, cet arbre là il veut pas pousser. Faudra que je regarde comment on fait après. Bonjour Blanche, tu es ma deuxième préférée sur cette île. Je suis bien ici, j'ai l'impression de ne faire qu'un avec la nature, j'oublie tous mes soucis. Spam!
Qu'est-ce que tu disais? Je sais pas pourquoi ils disent des spam. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, c'est vrai que j'ai un vieux pneu. Petite installation. Alors, moment de vérité. Est-ce que ma pelle peut me déterrer un gyroïde? Ah ah! Un gros meloïde. Eh ben écoute, ça ira dans le dex des gyroïdes. Un peu de patience, d'accord? D'accord! Programme Miles Nook. J'ai totalement oublié ce que j'ai pris. Comme d'habitude, il faut jeter tout. C'est quoi? C'est pas genre les tenues de Mario et Luigi ou un truc comme ça? Poster de chef, et oui. Casquette de Mario et de Luigi. Ah oui, ça c'est pour la salle Gamers. Et Runarama, bah oui, du coup, c'est pour avoir, je crois, le tableau. Je sais plus ce que c'est, mais bref. On verra. On le donnera à Tibou! Ça sera la surprise. Eh bien, écoutez. Je ne dis pas. Spoilé, pouet, pouet! Alors, je sais plus où j'ai mis mes gyroïdes. Je crois que je les ai mis ici. Spoilé, tête, pouet, pouet. Ouais, c'est là. Alors, gros meloïde, il ressemble à quoi? Incroyable. Ça, c'est bien. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas autant de gyroïdes, je crois. Du moins, ils n'étaient pas aussi diversifiés que là. Alors, spam. Spouetetet, pouet, pouet, pouet. Oh, ma salle gaming. En vrai, le bloc et le tuyau, ils passent bien. Ça va. Alors, qu'est-ce que j'ai eu, du coup? Il y a quoi là-dedans, déjà? Un banc en plastique. Ah oui, c'est pour chez... C'est pour chez... j'ai oublié. Pour chez Chef, je crois que j'avais fait ça. Ah oui, j'en avais pris deux, au cas où. Là, c'est Runar. Casquette de L, U, I. Casquette de Mario, casquette de Luigi et poster de Chef. Ok, bah nickel. Eh ben écoute. Posez au mur. Posez au mur. Ah. Eh ben écoute, on va repositionner les trucs. Ah oui, il faut que je me mette comme ça. Ouais, ils sont déjà collés, eux. Ouais, c'est peut-être mieux de les mettre un peu bas comme ça. Ah, sinon, attends, je les mets l'un par-dessus l'autre. Comme ça, c'est pas collé à ici, en fait. Ah, j'ai peur que la casquette de Luigi soit un petit peu haute, mais vas-y, en vrai, c'est pas grave. Alors, ça rend comment? Ouais, ça va, en vrai. Ça va, ça va. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Toile incroyable. Après, j'ai les bancs. Bon, en vrai, le vieux pneu, je vais le ranger. Donc après, le poster de chef, je vais le poser en haut. Sur la... Pas la tier liste des villageois, mais... mais la liste des villageois. Il y a juste Monica qui est à part, parce que Monica, c'est ma préférée. Ah. Pourquoi Zadel? Chef, où es-tu? Posé au mur. Eh ben nickel. Voilà, ici c'est la petite liste des villageois. Avec ma petite Pauline, ma petite Blanche, ma petite Pécan, ma connasse de Jennifer, ma petite Julie. Mon beau chef, et évidemment Monica. Incroyable. Bon, faudra regarder un petit peu les Nook Mags pour voir s'il n'y a pas des choses à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai sur moi? Ouais, je pense que le copriérisé et le bar commun, j'irai juste les vendre. Ah oui, il s'appelle Blaise, le putois, je me souviens. Vas-y, en vrai, je vais en profiter. Avant, je trouvais que ça passait assez bien d'avoir des mauvaises herbes à côté de la tondeuse, mais merde. Bon, de vrai, aujourd'hui, je trouve que ça passe un petit peu moins bien. Même la tondeuse, voilà, je me permets de la replacer un petit peu. Voilà. Pouette, pouette. Je sais pas si on peut faire pousser la canne à sucre. Si je l'arrose, est-ce que ça fonctionne? Je crois que j'avais pas essayé.
Oui, on peut. Je pense que les patates, je vais pas y toucher, hein, je vais les laisser comme ça. Ouais, 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 ouais. Alors, banc en plastique. Alors, est-ce que je fous un banc Ouais, je sais plus. Ah, alors, le musée, ça rend comment? Ah ouais, il s'incruste bien le musée ici. Ouais, est-ce qu'il faut que je fasse... Bon, par contre, le requin baleine, je le trouve vraiment de pro. Donc, à la limite, ici, on va foutre un banc en plastique. Ouais, voilà, un banc tout noir, comme ça, ça passe bien. Je peux le mettre plus loin. Ouais, bah, je le trouve bien, ici. Le petit moutmout. Vas-y, ça, je vais les foutre devant. Ah, après, je dis ça, mais... Ah oui, c'est ça le max. En vrai, ça va. Hein. En vrai, de vrai, ça va. Pouette, hein. Pouette, pouette, pouette. Oh, mais pourquoi il est là? Oui, mais c'est vrai que c'est ça qu'il faut que je fasse. Le trilobit. Ouais, on va le foutre un peu plus comme ça. Si je le tourne lui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Eh bien écoute, on verra bien, ça sera la surprise. Bah ici maintenant on va faire un petit peu des chemins. Alors c'est comment, c'est là? Ah oui, du coup le Mind Snook, qu'est-ce que j'ai eu? C'est quoi? C'est que j'ai posé un certain nombre d'objets chez moi? De l'art de meubler. Je sais pas. Offre des meubles à ta maison. C'est parce que j'ai 100 meubles de poser, j'imagine. Ah, bébé topédie, qu'est-ce que j'ai de plus? C'est ce que j'ai récupéré au dernier stream. Je crois que j'ai récupéré 3 nouveaux insectes. Hein. On a eu la Lucane cyclomatus. On a eu le scarabée éléphant. Et Atlas. Et le phasme. Ouais, j'ai eu 4 nouveaux insectes hein, hier. Hier. La dernière fois, pardon. Non, giga oméga, trop bien Stonks. Ça m'a mis très très bien. Eh ben écoutez. Alors là, ce que je voudrais faire du coup... oui. C'est faire du chemin. Application remode, il est prête. Alors. On fait quoi, des routes pavées? Alors en tout cas c'est cool, j'ai vraiment pas visé ça quoi. Ouais, je pense que je vais aller jusqu'au mammouth et là je vais arrondir à partir d'ici. On a ça, et maintenant, bah, ce que j'aimerais bien foutre, c'est des barrières, mais je sais pas si j'en ai. Je vais voir combien ça me coûte. Euromodule, je pense que c'est bon, hein, j'en ai plus besoin. Arrêtez les travaux. Oui. S'il vous plaît. Ah oui, Non, en vrai, on fera ça après. Après, on ira voir Runar sur l'île de Joe. Joe. Et après, on ira voir sur les Discord s'il y a des villageois qui m'intéressent. Et le camping aussi à checker, on sait jamais. Au travail! Je ne sais pas où sont les barrières. Ah bah parfait, c'est exactement ce que je voulais. Alors ça m'en donne combien? Bravo, tu as fabriqué des clôtures en corde!
10, bon parfait. Je pense que ça devrait suffire. Heureusement que j'ai du minerai sur moi en trop. Après j'ai fait exprès. En vrai je vais laisser ça. Je vais récupérer ça. Et maintenant on va construire. C'est pas là que je veux. Bon, si vraiment je voulais me faire chier, je ferais un zigzag, mais j'ai pas envie. En fait, le problème, c'est que si je veux re-rentrer dans le musée, je sens que ça va vite m'embêter. Et donc là, c'est bon. Ah, tu veux aller vers le musée, Blanche? Non. Ouais, donc je ne peux plus passer là. Ouais, le mammouth, j'avais dit que je l'avançais pas plus, hein. Je le laissais ici. Ouais, je vais peut-être foutre le trilobite là. Enfin, le trilobite, le ammonita, là. Non, je sais plus. Attends, trilobite, c'est lui? Ah, c'est deux places. Ah bon. Et comment c'est par rapport aux barrières? Est-ce que c'est trop proche? Non, ça va. Ouais, je pense que juste lui, comme ça, tout seul, ça suffit. Ça te fait un petit truc. Après, les poissons, bah malheureusement... je trouve que ça rend très mal, les poissons. Non, bah écoute, moi, ce petit espace me convient. Là, on a le petit mammouth, ici, chillax. On a notre petit chemin, on a le petit trilobite. On a le petit banc ici. Non, bah moi j'aime bien. Bah écoutez, je vais aller me débarrasser. Ouais, parce que le problème c'est que les poissons, ils sont pas bien mis en valeur. À la limite, je pourrais mettre un tableau en mode open ou un truc comme ça. Bon alors, blablabla. Faire une donation. Je veux te donner une toile incroyable. J'ai vu sur internet qu'elle était vraie. Et oui, nous avons affaire à l'original. Sans déconner. Je sais même plus c'était quoi. Comment savoir? Je crois que c'était juste la couleur de vêtements du... du personnage au centre. Une toile incroyable. Eh bien écoute, si c'est incroyable. Eh bien écoutez, moi je vais retirer de ma to-do list... le musée, vu que on est bon. On a une belle petite entrée pour le musée. Le musée est à sa place. Voilà, ici, si on veut, on peut même passer en haut tranquillement. Bah, c'est bien, n'empêche. Bah, du coup, ça veut dire que là, sur mon île, le musée a trouvé sa place. Trois de mes habitants ont trouvé leur place. Le camping a toujours eu sa place. Mes plages, ouais, je te dirais là, sur les morceaux de plage, t'en as... Allez, t'as peut-être plus de la moitié des plages qui sont considérées comme aménagées. Après, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire. Là, déjà, là, je regarde, mais l'espace en dessous de ma maison, celle de Monica et de Chef, je pense pas que je vais plus y toucher, hein. Peut-être chef, à la limite, là, je vais... Parce qu'on voit que ça fait une espèce de courbe. Bon, du coup, avec mon doigt, c'est dans l'autre sens. Donc, une courbe comme ça, sur la maison de chef, à sa gauche. Je vais peut-être creuser le truc pour ne pas avoir cette courbe. Ouais, je pense que mon île sera très plate. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'auteur. À la limite, je me dis, ce que je peux peut-être foutre, c'est foutre une maison ici, hein. Mais là, j'ai déjà les trois loups autour de moi. Donc à la limite, ce que je me dis, c'est je peux peut-être mettre une maison ici. Là, je pourrais peut-être... Là, je pourrais foutre un magasin, à la limite. Ou je sais pas.
Ou un truc qui se voit, mais je sais pas quoi. Non, bah écoutez, on verra bien. Bon alors, bah du coup on va aller voir Joe. On va aller voir le shop aussi avant. C'est des insectes. Je me disais, mais quelle est cette sorcellerie au sol? Bon alors, on sait jamais, parce que s'il y a des trucs intéressants à acheter, moi je les achète. Hein. Il n'y a aucun problème. Alors, ça, ça peut être trop bien. Oh, non mais attends, les trois, je veux les acheter là en fait. Comptoir réception incurvé. Ouais, ça, ça peut être bien. Hein. Vas-y, j'achète. Ça, c'est quoi à droite? C'est un barbecue bambou? Non, c'est juste une table bambou. Oh, putain, notre commode impériale. Putain, je l'adore en vrai. Je la trouve géniale. Et ici, notre table de restaurant chinois. Ouf! En vrai, je vais l'acheter, hein. Parce que j'aimerais faire... Ah oui, c'est vrai que j'avais dit ça. Je vais le noter. Faire un coin... Faire un coin asiatique pour la maison de Pauline et ma future chino. C'est vrai que je voulais faire un coin asiatique. Bah même Julie en vrai je pourrais les foutre avec hein. Parce que Julie en vrai c'est une pan et quand tu la regardes elle peut faire un peu asiatique hein. Je sais pas le pan c'est un oiseau un peu hors du commun qui est beau tu vois. Avec des beaux motifs un petit peu comme dans le cher pays du soleil levant. Comme ça on aurait le quartier des loups. Le quartier asiatique sur l'île ça peut être bien. Pouette, 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 pouette. Ça peut être rigolo en vrai. Et du coup, je fais que des refs aux loups autour de chez moi. Dans le quartier asiatique, évidemment, je mets que des trucs asiatiques. Échanger des Miles Nook. Non, Nook Shopping. Le DAC, voilà, c'est ça. Bon, on va prendre 50k. Hein. Comme d'habitude, hein, quand je fais des retraits. Je vais le noter. Faire un quartier asiatique. Pour la maison de Pauline, ma future chino. Celle de Julie. Et ma future chino. Et du coup, compléter le quartier des loups autour de chez moi. Avec des trucs qui peuvent faire canin. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Bah, c'est bien comme ça, ça me fait des choses à faire pour les prochaines fois. Bon alors, vu qu'on parle de villageois, je vais regarder s'il y a des gens qui proposent de se débarrasser de villageois que je veux. Ah tiens là sur le Chanel pour les gens de villageois en épinglé je regardais pour être sûr de savoir si LF et FT ça veut bien dire ce que je comprends. C'est voir la méthode du time travel.
Intéressant. Ouais, c'est ça, la méthode qu'ils disent pour le time travel et se débarrasser d'un villageois, c'est bah là, t'es dans le jeu normal, donc tu saves. Après, tu passes un mois, faut rester aux environs d'une heure de l'après-midi, ça, je comprends pas trop pourquoi, mais d'accord. Après, tu relances le jeu, tu regardes bah, tous tes villageois pour voir s'il y en a un qui veut se barrer, et surtout celui que t'as envie qu'il se barre, voilà. Et si personne veut se barrer, et surtout pas... enfin, surtout que le targeted villageois, c'est pas le bon. Et bah dans ce cas, tu recommences, tu quittes le jeu sans save, tu time travel d'un jour, et tu fais ça bah, en boucle. Ah ouais, alors que moi je faisais mois par mois, et à un moment, je sais pas... je sais pas en quelle année je m'étais retrouvé. Ah tiens, là je vois que Blanche elle a des petits nuages autour, au-dessus de sa tête. J'imagine c'est pour me dire « Ah oui, tu veux aller chez moi ?» ou « Tiens, je veux un cadeau ?» ou... voilà. Eh ben écoute. Ouais bah je sais pas ce que ça veut dire là leur looking, enfin le FT. FT DOMS. Donc ça veut dire que il propose. Donc FT, ça veut dire que il propose d'avoir. Enfin, ils proposent genre leur villageois ou ils proposent leur argent. Et LF, ça veut vraiment dire looking for en fait. Et bah écoute, on va regarder s'il y a des trucs qui m'intéressent. S'il y a des FT de villageois qui m'intéressent. Ouais. Je sais plus c'est quoi les noms anglais des villageois que je veux. Alors, on a quoi? On a Shino, Apollo et Peck. Et sinon, s'il y en a d'autres sur lesquels je tombe, pourquoi pas. Ouais, non, pour aujourd'hui, il n'y a rien. Hein. Ouais, et sur le Discord FR. Putain, là, je vois, propose Gertrude. Super. Trop bien, Gertrude. Ouais, écoute, il n'y a aucun villageois qui m'intéresse. J'avoue que je suis pas plus pressé que ça pour l'instant pour chercher des villageois. Déjà que j'organise mon île et tout. Tiens, mais vu qu'il est 17h passé, je peux tomber sur les bons insectes, je crois. Alors, Insectodex. Ouais. J'ai deux insectes de 10 à partir de 17h et deux autres qui spawnent à partir de 23h sur les troncs. Donc pour tout à l'heure, quand on fera du time travel, faudra que je mette à partir de 23h. Et après, l'autre insecte qui est pas en été, c'est le bousier qui est dispo en janvier, 24h sur 24. Salut, salut! Je veux voyager. Mais non! Tu peux me dire où tu vas? Je vais aller sur l'île de Zhou. Je peux embarquer immédiatement. En route! Eh ben nickel. Et voilà! Eh ben merci. Bon là, je note dans les choses que je voulais faire, c'était la salle des poissons dans ma maison. Mais bon, un peu la flemme. La zone multisport, c'est vrai. C'est vrai, le quartier des sports. Ah, Joe n'est pas là. Ouais, c'est qu'il est ici. Bonsoir, renard. Putain, encore toi. Bon bah, on va voir ça tout de suite, hein. Alors, comment elle s'appelle, celle-là? Alors, renard. La toile émouvante. Alors, quelle est la vraie, quelle est la fausse? Alors, quelle est la différence? Ouais. Sur le faux, il n'y a pas de forêt d'arbres. Ah merde. Bah du coup, elle est fausse, celle-là. Ah, mais je le connais, ce tableau-là, avec le monsieur qui souffle à gauche. Bon bah du coup, c'est une fausse, parce que normalement, il y a une forêt derrière. Eh bah écoute, rip. Ce sera pour une prochaine fois. Enfin, je dis ça sera pour une prochaine fois. Hein. Si je fais du time travel jour par jour, je vais peut-être
Je vais peut-être regarder chez Runar à chaque fois. Hein. Je veux rentrer. Avant d'oublier, je vais aller... comment ? Je vais aller voir le shop des Meli Melo. Parce que là, il y a la... Il y a la table de restaurant chinois que je veux bien, moi. Je la veux bien, cette table. Elle me paraît intéressante pour mon quartier asiatique. Non, ça veut dire, en vrai, faudrait que j'ai accès aux murets asiatiques pour ça. Et est-ce que j'ai un autre villageois qui pourrait bien passer dans ce quartier-là? Bon, le quartier des loups, il est déjà décidé. Le quartier asiatique, je le foutrais peut-être à gauche, en hauteur, en vrai. Et ma zone multisport, je sais pas... peut-être en bas à droite. Je sais pas. On verra. Mais ouais, mais là, toute la gauche en hauteur, là, ça pourrait être le quartier asiatique. Et je fous les maisons les unes sur les autres, comme ça, je sais que j'ai la place. Parce que là, autour de musée, je pense que je vais peut-être plutôt foutre les shops là-bas. Parce que je pense pas que j'aurai la place de faire des habitations. Donc on a le quartier des loups avec Monica Blanche et Chef. Le quartier asiatique, du coup, je le foutrais sur la zone en élevé à gauche avec Julie, Pauline et Chino si je l'ai. Et après, il me resterait Pauline et Jennifer, mais... pardon, pas Pauline et Jennifer, mais Pécan et Jennifer. Ou elle, pour l'instant, je saurais pas trop quoi faire. Et il me faudrait d'autres habitants pour pouvoir un peu décider de ce que je fais d'eux. Et du coup, elle, c'est pas des priorités. Donc écoutez, ouais, je pense que pour septembre, quand je rejouerai Animal Crossing, voilà, tous les mercredis, comme d'habitude, je pense que je vais faire mon quartier asiatique. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de pêcher. Et d'attraper des insectes. Ah mais putain, c'est vrai, il est 17h, les moustiques spawnent déjà. Non, pas les moustiques. Hop. Toi, tu t'intéresses à notre table de restaurant? Oui. C'est vrai. Alors, je vais regarder, du coup, si je peux acheter le craft. Alors, avant ça, je vais regarder chez moi, parce que si ça se trouve, j'ai déjà le craft des murets asiatiques. Je drawing. Ça sera la surprise. Est-ce que j'ai déjà le craft? Ou pas? Spouette. Alors, déjà, je vais entreposer... Ça c'est quoi? Ouais, vas-y, on va garder ça. Ouais, flemme. Alors, est-ce que j'ai le craft? Para crafta, peux-tu bricoler quelque chose? Oh, oui, je veux bricoler. C'est quoi ça? Feuille? Ah, je savais pas ça. Oui, c'est bon, j'ai le muret asiatique. Couture manoir. Ah putain, mais j'ai tout en fait. Ça coûte combien? 6 et 4, ok. Ça coûte un peu cher. Et là, argile pierre. Ouais, je ferais peut-être plutôt des murets zen. Ok, et bah du coup, ça veut dire que je peux save. Et écoutez, je vais switcher. On va passer à 23h. Je vais switcher l'heure. On va passer à 23h du coup. La sauvegarde a été effectuée. Comme ça, à 23h, on va pas tryhard les poissons maintenant. Après, en vrai, les poissons qui manquent, c'est pas des poissons rares. Mais je pense que d'abord, on va... Ah, j'ai pas regardé le camping. Mais je crois qu'ils le disent quand il y a des gens dans le camping. Donc là, on va passer à 23h, du coup, pour pouvoir choper potentiellement tous les insectes qu'il me manque. Donc écoutez, on se débarque. Console. Date et heure. Je veux que l'heure ne soit pas la même que maintenant. Je veux qu'il soit 23h. Pa-da-pa-da-pa-pa. Ah là là, Mario 3D All-Star. La cartouche qui est encore dans la Switch. Eh ouais, ça y est, hein. Le Jumpless Challenge. Le but où c'était de sauter le moins possible. Eh oui, c'est fini déjà. 5 streams,
J'ai rushé le jeu comme un dingue. Enfin, j'ai rushé le jeu dans le sens, encore une fois, quand je dis ça, que j'ai fait 5 streams en 5 jours. Alors qu'habituellement, je ne spamme pas autant un seul jeu vidéo. Mais j'aimais tellement ce challenge. Bon, faudra s'occuper de la vidéo maintenant. Heureusement que le time travel est très simple à faire. Heureusement que c'est facile à faire. Tiens, je vais regarder s'il y a des gens qui proposent des cours. On avait en pagaille vos cours. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des bêtes? Là, il y a un mec qui a 259. C'est bien. Oh, la musique. Oh, j'avais pas vu les mauvaises herbes. Ah, c'est vrai que Pollux est encore là. À quoi ressemble la maison de chef? J'ai jamais vu. Peut-être la surprise. Bonjour, chef! Et bienvenue. Ah ouais? Alors là, pourquoi il y a une bague en diamant? Attends, il fait un marché aux puces? Et je laisse ça boum, comme vous dites chez vous. Il se contue un peu. Commence pas à fouiner derrière mes maps, sinon ça va barder. Et attends, mais je pensais que chef c'était un riche, mais pas du tout en fait. Alors là, je suis très étonné. Je croyais que c'était un boomer. Je croyais que c'était un boomer qui votait à droite, mais en fait, pas du tout. Non, un boomer bobo plutôt. Non, c'est un bobo. Mais pas du tout en fait. Ah ouais, putain, je suis très étonné de l'intérieur de sa maison. Et Monica, tu as encore ta bague, n'est-ce pas? Fais-moi plaisir, Monica. Dis-moi que tu as encore ta bague, s'il te plaît. Sinon, je vais pleurer. Ah! Elle est là, la bague en diamant. Mais qu'est-ce que chef branle dans son bidonville avec une bague en diamant? Ah, tu me parlais, Lival. Désolé, j'étais complètement parti dans mon truc. Tu fais quoi? Bonne question, eh bien, je bricole un gazon patio. C'est quoi un gazon patio? Oui, je veux bien savoir comment on fait ça. En tant que première influenceuse chanteuse icône du bricolage. Ça fait beaucoup de titres. Merci pour le plan. J'aime bien le petit intérieur de Monica. J'aimerais bien avoir son aspirateur. Ah ouais, je connaissais pas le gazon patio. Je sais pas ce que ça peut être. Un gazon patio. C'est quoi un patio? Je ne sais pas. Bon, j'imagine qu'il faut des mauvaises herbes pour le craft. Oh, saleté de moustique! Donc du coup, l'objectif là, de maintenant là tout de suite, ça va être de tryharder les insectes. Alors, gazon patio, qui c'est? Peux-tu bricoler? Oui! Ah, c'est un sol! Ah ouais, flemme. J'ai pas vu comment le crafter, mais j'imagine que c'était des... J'imagine que c'était ce à quoi je pense. Eh ben écoutez... On est parti. Salut Lival. Quoi? Salut, tu sais que ça me gonfle par-dessous quand quelqu'un a des problèmes. Si t'avais d'être un monteur cette nuit. D'accord. Je peux maintenant exprimer le tracas. Merci. Je suis content. Et moche, hein. Oh, les petits bambous ici, là. Ouais, ça, c'est l'un des rares coins que j'ai un peu aménagé. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un dans mon camping? Ouais, je pense que vraiment, ils te préviennent quand il y a quelqu'un dans le camping. Ouais, je vais peut-être profiter pour récupérer les appâts quand je les vois aussi. Comme ça, ça m'avancera pour le poisson. Je pense que c'est le plus efficace. Je me balade sur les plages. On regarde tous les palmiers.
S'il y a des palourdes à récupérer, on récupère les palourdes. Et là, ça veut dire dans mon inventaire, en vrai, il faut que je fasse de la place. Notamment, me débarrasser de toi. Et je pense que le copririsé, je vais le garder parce que je pense qu'il doit valoir un peu d'argent. Bon, après, le fait de fermer les appâts, ça va bien me ralentir. Alors, pour le poisson, bah du coup, le seul poisson qu'il me manque, c'est le coryphène. Le seul poisson qui est dispo en été. Et parmi les insectes, il me manque 2 lucanes et 2 scarabées. Qui sont tous dispo, soit de 17h à 8h, soit de 23h à 8h. Donc là, concrètement, à 23h50, normalement, ça devrait aller. Ouais, en vrai, de fermer les appâts, ça me ralentit de fou. Donc voilà, après l'autre insecte qu'il me manque, c'est le bousier. Alors attends, je crois que je l'ai déjà celui-là. Je pense que je vais le prendre pour le plaisir de l'argent, mais... Je sais pas si c'est une lucane ou un scarabée, là. Le scarabée Hercule, je vais regarder à quoi ils ressemblent les insectes que j'ai pas. Alors, du coup, il me manque la lucane cerf-volant. Animal Crossing. Alors, la lucane cerf-volant, c'est une lucane noire qui est très très large. Après, il me manque la Lamprima. La lucane Lamprima qui est une jaune très très large avec 2 espèces de cornes avec ses mandibules avant. Après, il y a le scarabée normal. Le scarabée... Ok, c'est une espèce de... Je sais plus, il y a un insecte vert souvent qui spawn sur les arbres. Bah, il lui ressemble de fou, mais il est gris. Et après, le dernier, c'est le scarabée Hercule. Vu son nom, je pense qu'il doit être large. Ah oui, bah le scarabée Hercule, il a une grosse pointe. C'est une licorne scarabée. Ok, bah d'accord. Ouais, je les reconnaîtrai. Et bon, écoute, pour l'argent, on va choper celui-là. Alors, je sais plus c'est quoi mon repère. Hein. Je crois que c'est quand mes pieds commencent à toucher les feuilles. L'ombre des feuilles. Ouais, bah c'est bon. C'est quoi, c'est une girafe, ça? C'est ça. Bah attends, je crois... Mais attends, mais je crois que c'est l'un des trucs que je veux. Je crois que c'est la Lamprima, celle-là. Putain, c'est fou, je regarde à quoi il ressemble. Littéralement, l'arbre d'après. Alors, est-ce que c'est la Lamprima? Quoi? Lucane Miyama? Mais putain, mais il ressemblait comme deux gouttes d'eau à l'une de celles qui me manquaient. Ah, misère. Et eh bah ben, rip hein. Rip, rip, rip. Ouais, vas-y, je vais reprendre ça. Ah, il y en a deux. Baf. Wahoo. J'ai trouvé une palourde japonaise. Et l'autre, il est où? Il est là. Ah oui. Mais des terrains, palourde. Mais le problème, c'est que je sais pas. Je sais pas. Lucane Miyama. Putain, et là, il y en a encore une grosse, là. Ah, mais je sais pas si c'est exactement la même que la précédente ou pas. Parce que vraiment, l'un des trucs que je cherchais, il ressemble à ça. Putain, là-bas, il y en a un autre. Là-bas, je crois que c'est un Kabuto. À la limite, les scarabées, ils se vendent tous bien, donc c'est pas plus mal de tous les attraper. Ouais, encore une Miyama.
Ouais, ça c'est le Kabuto. Ouais, c'est le Hercule, il fait une grosse pointe. Genre le machin est inloupable, quoi. Genre tu sais que c'est ça. Ah. J'avais d'attraper des trucs. Ah, j'ai attrapé des poissons aussi. J'ai vendre des fruits aussi. Ouais, à la limite, on peut le faire, ça c'est free. Pêcher un requin marteau. Non mais vas-y, non mais la proba de... la proba de tomber sur un requin marteau. Vas-y, je vais aller vendre des oranges après. Est-ce que ça serait pas intéressant que j'ai plus de cocotiers? Ouais, Kabuto. Et on va tester la théorie à quel point je peux m'approcher d'un insecte sans qu'il se barre. Je sais pas combien se vend Bernard l'ermite, mais vas-y. Alors, est-ce que je peux coller l'insecte? Genre si tu vas lentement, est-ce que tu peux coller l'insecte? Putain, mais j'ai l'impression que oui. Hein. Ok. Alors, est-ce que c'est encore un Miyama? Mais attends, mais je vais revérifier là les scarabées, les lucanes, à quoi ils ressemblent, parce que... Vraiment, elles ressemblent à ça. Hein. L'un des insectes qu'il me manque ressemble de fou à ça. Ah ouais. Par rapport à la Miyama, là. Bon, le Hercule, on a vu. Le scarabée normal, je sais à quoi il ressemble. Lucane cerf-volant. Ah, c'est la Lucane cerf-volant. Ah oui, qui est énorme et noire. Bon, elle est inloupable. Mais la Lamprima. Ah oui, la Lamprima, en fait, elle ressemble à ça. Mais on dirait que... Attends, exhibé. Mais mec, c'est exactement le même. C'est exactement le même, c'est juste que le milieu de son corps, il est plus large que ça. Et ses mandibules avant, on dirait des espèces de cornes. Alors que là, ça se voit que c'est des mandibules comme ça. Wouhou! Ah, j'ai peur que ma pelle se pète après. Alors on sait jamais. Ah, gros poisson. Oh, c'est rare d'avoir des gros poissons en... ici. Est-ce que ce ne serait pas le coryphène? Et non, c'était un bar commun. Putain. Putain, casse-toi! Je veux pas de toi! Personne ne t'aime. Vas-y, on va crafter des appâts pour faire de la place dans l'inventaire. Ah, je peux en faire 10 déjà. Là, je regarde si je fais de la plongée, je peux juste avoir le bénitier colossal. Qui est dispo de mai à août tout le temps, qui est géant et très rapide, donc bon, vu qu'il est géant, je pense que tu le remarques instantanément. Alors il doit faire énormément de bulles. Ouais, à la limite, pour le chercher, c'est juste tu fais le tour jusqu'à trouver un animal de la mer qui fait énormément de bulles, et ça veut dire que c'est forcément le bénitier, vu que c'est le seul truc géant que je puisse avoir là. Et après, la limule, moyen assez rapide. Ouais, bon bah là, c'est dès que tu vois un truc moyen, faut le tenter, quoi. Ah, ça y est, dans le jeu, il est minuit. Vu que j'ai avancé l'heure pour être la nuit. À fabriquer un appât. Mais non. Mais non. Il n'y avait plus qu'un. Quel bonheur hein, que les appâts, on puisse pas les crafter
Par plusieurs. Genre 10 à la fois, je sais pas. On va en profiter pour pêcher. Putain, encore un poisson. Putain, c'est rare que j'ai des poissons pourtant sur le ponton. Je vais regarder la taille du bar commun et du coryphène dans Animal Crossing pour voir si c'est la même taille. Alors, coryphène, taille très grande, et bar commun. Ouais, le bar commun, il est dispo tout le temps. Très grand. Ouais, ok, donc ça veut dire que c'est vraiment cette ombre-là que je dois pêcher, quoi. Disperser la nourriture. Je sais pas si c'est grand ou très grand, ça. Non, ça c'est grand. C'est donc un vivano. Après un vivano. Disperser. Oh, ça c'est grand. Ça c'est très grand. Ça c'est un coryphène. C'est quoi la rareté pour voir du coryphène? Parce que là, ça commence à être chiant. Le nombre de bars communs que j'ai pêché au lieu d'un coryphène. Alors le coryphène, de mai à octobre, toute la journée. Ah, il me parle pas de rareté. Ouais, vu qu'il vaut 6000 clochettes, il doit être rare quand même. Putain, ah si, rare, il y a écrit. Ah putain, il y a la carangue à grosse tête aussi que je peux avoir en ponton. De mai à octobre toute la journée et qui est très grand. Oh putain, ça veut dire si je tombe pas sur un bar commun, je peux tomber sur une carangue à grosse tête. Oh, ça serait tellement frustrant que ça arrive. En mode enfin je tombe sur autre chose qu'un bar commun et je tombe pas sur le bon poisson. Ouais, vas-y la murène. On prend. À la limite, ça fait un peu d'argent. Ah là là. Squirrel. J'ai attrapé une murène. La murène, je trouve que c'est un poisson qui fait peur dans le sens où c'est pas beau. Hein. C'est pas un beau poisson. Alors, coryphène. Putain, mais j'en peux plus. Mais il y a que des bars communs. Mais c'est quoi la probabilité d'avoir autre chose qu'un bar commun, quoi? Je sais pas si c'est un très grand, ça. J'ai un doute. Si c'est un très grand. Coryphène! Ah! Toujours des bars communs. Il y a que des bars communs. Au moins, j'ai de la chance parce que là, je tombe que sur des très grands. On commence à. Ça nous fait gagner du temps. Allez! Ah, fou. On est d'accord que je suis en ponton là pourtant. Poisson clown de merde. Putain, j'ai de la chance quand même de tomber sur autant de très grands. Allez. Oh putain non. Oh non, c'est arrivé, je suis tombé sur une carangue. Et je ne suis pas tombé sur le coryphène, putain. J'ai une chance sur foutu 2 de tomber sur le bon. Mais je sais pas c'est quoi la proba. J'imagine, ça doit être genre 5% de chance. Genre ça doit être 5% de chance de tomber sur autre chose. C'est quoi ça? Un cabuto? Donc voilà, le scarabée, il ressemble beaucoup à cet insecte, mais il est genre un peu gris doré, je dirais. Non mais par contre, ça rend fou, le coryphène. Là. Je sais pas c'est quoi les probas de tomber sur autre chose qu'un bar commun. Mais derrière, t'as genre une chance sur deux de tomber soit sur la carangue, soit sur le coryphène. Et évidemment, je suis encore tombé sur une carangue.
Parce que c'est pas la première fois que j'ai une carangue. Hein. Ou un carangue, je sais pas. Je vais pleurer. C'est dégueulasse. C'est la boîte à dépôt. Je peux vendre. Bah là, on en a des choses à vendre. Hein. Et baisse-t-on, tiens. Ah, lui, il vaut 4005. Le Viviano, il vaut combien? Putain, il vaut 2004 quand même, hein, le Viviano. Alors que je le trouve pas si rare comme poisson. Et alors, les scarabées. Lui, il en vaut quoi, 1100? Cette lucane-là, putain, elle vaut que 800. La girafe, elle vaut 10 000. Le copri irisé, il vaut 5 000. Eh, quand même, hein. Déposer à vendre. Eh oui, du coup, ici. Ah ah! Mbaf! Ouais, j'en profite, hein, dès que je peux fermer les maïs nook un petit peu. Bon bah écoute, on est reparti. Hein. Cabuto. Bon, Cabuto, on a vu, il valait pas tant que ça, donc il vaut pas trop le coup à farm. Je crois que c'est le scarabée, ça. Il me dit rien. C'est un nouveau, ça c'est sûr. Je crois que c'est le scarabée. Si c'est le scarabée, alors il ressemble pas trop à ce à quoi je m'attendais. Je crois que là, on est face au scarabée. Enfin, j'ai peur que je puisse pas l'attraper vu que je suis dans la pente. Enfin, j'avais peur d'être trop loin. Oh non, c'est un copri irisé, putain. Et oui, quand je l'ai pris en main, je l'ai reconnu. Ah, fait chier. Il n'y a pas d'appât. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de palourde. Ouais, vas-y. C'est free money, en vrai, les gros scarabées comme ça, on comprend. Ouais, c'est l'éléphant, ça. Putain, mais c'est fou, là. Parce que le scarabée normal, je pense pas qu'il soit si rare non plus. Putain, encore un cabuto. Eh, le cabuto, il est partout. C'est une dinguerie, je le vois tout le temps. Ah, il n'y a pas d'appât. Il n'y a pas de palourde. C'est fou. À croire qu'il n'y en a plus à partir de minuit. C'est possible en vrai. Hein. C'est possible. Ah, si c'est le cas, faudrait que je retime travel pour revenir une heure en arrière. Ouais, non, c'est pas le bon. Oh, et bonsoir à Mayday! Aidez-moi! Enfin bref, bonsoir à toi, bienvenue sur ce streaming. Et comment vas-tu? Vraie question. Ouais, c'est encore une Miyama de merde, là. Moi, je veux... Non, c'est pas toi. Donc le scarabée, il ressemble à cet insecte-là, mais il est gris, genre. Ah, si, il y a des appâts, quand même. Mmh. Oh! J'arrive pas à viser. Paf! Quoi? Ah ah! Incroyable. Il y a des terrines, pas lourdes. Merde. Ça, c'est encore une Miyama de merde. De toute façon, je sais à quoi ils ressemblent, les 4 insectes que j'ai pas. Donc je pense que je vais juste prendre les rares et ceux où j'ai des doutes. Wahoo! Il y a des terrines, pas lourdes. Ouais, je pense pour reset, pour peut-être faire spawn sur ces troncs là de palmiers, il faut monter plus. Ouais, y a rien. Éviter d'aller trop vite aussi, parce qu'on sait jamais. Ah, encore un Miyama. Ah.
Moi, je les trouve marrants, les Bernard l'ermite. Ils sont rigolos. J'ai pas vu où est-ce qu'il était. Balourde. Ah ah ah, je t'ai vu. Décline ta position. Oh. Pas d'insectes. C'est triste là. C'est triste, y'a rien du tout. Bon, après, ça va. Hein. Je me plains, mais ça va. En vrai, j'ai assez rapidement des choses. Ouais, combien? Ouais, vas-y, allez. On fait un dernier tour. Enfin, on fait un aller-retour et après, on va pêcher. Ouais. Non, c'est encore un Miyama. A chaque fois, j'ai le doute parce que il ressemble au Miyama, celui que j'ai pas. C'est la Lucane dans Prima. Non, c'est un copri irisé, ça. Ah, je vais le prendre, le copri irisé, parce qu'il vaut genre 5000 clochettes, mais bon. Non, mais c'est la crise. C'est dur de viser. Bon, c'est vrai que de le prendre par en haut, c'était, enfin par le côté, c'était pas le meilleur bail. C'est comme au basket, c'est plus dur de mettre un panier de côté. Ah! Ah! Ah ah! Lui, je sais. Lui, je sais que toi, je t'ai pas. Toi, tu es la Lucane Cerf volant. Alors, pourquoi ce nom? Vu ta gueule, je sais pas. Ah, c'est pas la première fois que j'en vois un. Hein. Je sais que j'en ai déjà raté un, hein, lui. Paf! Super! Impressionnant! Tu as attrapé un Lucane Cerf volant. Apparemment, il n'y a pas que son cerveau qui est lent. D'accord. Eh ben écoute, ça nous fait un de plus dans la liste. Enfin, un de moins, du coup. Eh ben, nickel. Eh ben, nickel. Bah, en vrai, on va aller maintenant au musée. Déterrer une palourde, mais non. Mais non, mais si. Mais non. Oh, ça me fait plaisir de voir que le musée a enfin son petit espace. C'est très simple, mais vraiment, moi, je trouve ça bien. Moi, j'aime bien quand c'est simple. Après, les trucs compliqués, c'est des trucs où malheureusement, faut utiliser beaucoup de temps. Mais après, évidemment, les gens, ils ont fait des dingueries dans ce jeu. Tiens, ma Lucane, cerf volant. Ah, Arco, non! Oui, dis-moi tout. Alors, le Lucane cerf volant est la coqueluche des aficionados des insectes. Ne me demande pas comment on peut nourrir une passion si aberrante, ça me laisse en voie. Mais je m'égare, donc ne te laisse pas impressionner par les grosses mandibules du Lucane cerf volant. Ah oui, c'est un Lucane, c'est vrai. Il s'agit en réalité d'un petit couard qui ne quitte sa cachette en bois moisi qu'une fois la nuit tombée. D'accord. Donc, anecdote, c'est un insecte de nuit qui se cache dans le bois. Voilà. C'est tout. Ouais, de temps en temps, on a zéro information. Bah là, l'information, c'est « Ouais, il spawn de nuit !» Merci, Thibaut. Putain, j'aime beaucoup cette plante. Faudrait vraiment que j'en retrouve une comme ça. Ou que j'en achète une. Je la trouve très bien, ça correspond vraiment au style de plante que j'aime avoir.
copriérisé. Oh non, attends. Attends, j'ai un doute. Non. Lui, il est nouveau. C'est la Lucane dans Prima. C'est celle qui ressemble au Miyama. Mais avec des cornes... Enfin, avec des mandibules, on dirait des cornes. Ouais, et lui, il a aucun reflet. Du coup, c'est pas un copriérisé, ni un Miyama. Paf! Oui, c'est lui. Super! Fantastique! Tu as attrapé un Lucane lamp prima, il brille de mille feux. Ouais, je comprends, lampe. Et bah, fucking let's go, comme le disent les jeunes. Et moi, je dis pour continuer la lancée, là. Putain, mais du coup, il me manque plus que deux insectes, là, déjà, à choper. Il me manque plus que le scarabée et le scarabée Hercule. Eh ben écoutez, trop cool. Putain, mais c'est fou quand même. Là, entre aujourd'hui et la dernière fois, le nombre de nouveaux insectes que j'ai eu. Ah là, il m'en manque plus que 3 des insectes. Il me manque 3 poissons et 3 insectes. Je vais peut-être en profiter en vrai pour aller me débarrasser de mes mauvaises herbes que je vois là. Donc du coup, il me manque le scarabée qui ressemble au truc vert qu'on a vu sur le tronc avant. Ah bah c'est un Kabuto. Et l'autre, c'est le Hercule qui est inloupable. Vraiment lui, tu le vois, tu sais que c'est lui. Ah! Je vais déterrer une palourde. Alors, est-ce qu'on a un gros poisson? Bon. Eh oui, ça m'en fait, là, des choses. Ah, le moment qu'on aime tous. De crafter des appâts. Non, mais vraiment... Ah, je peux le mettre en favori. Il n'y a pas moyen d'en craft plusieurs. C'est fou, ça, quand même. C'est vraiment fou. Alors, ça dit quoi sur WhatsApp? Non, je vais en profiter pour regarder un peu. Alors, est-ce que les vidéos que j'ai sorties, elles ont fait des vues? Alors, est-ce que les VOD fonctionnent? Ah, c'est bien, les VOD fonctionnent. Combien de vues la VOD sur Sonic Frontiers, là? Vraiment, ça m'énerve un peu que cette VOD fasse autant de vues. Putain, c'est devenu ma 4e VOD la plus regardée. Ça fait chier. Vraiment, ça me fait chier qu'une VOD Sonic Frontiers fonctionne alors que j'aime pas le jeu. Bon, c'est cool. Le short Genshin que j'ai sorti, il fonctionne. C'est bien, pour une fois qu'un short Genshin fonctionne. Ouais. Alors. Et le toc toc, il a fait 32 likes. Eh ben écoute, c'est déjà bien. Eh ben nickel. Wouhou! Non mais c'est cool aujourd'hui déjà. Juste le fait d'avoir chopé des nouveaux insectes. J'en ai eu combien? J'en ai eu 3? 2? Non, j'en ai eu que 2 aujourd'hui. Et la dernière fois, ouais, j'en ai eu 4. Bah, objectif aujourd'hui d'en avoir 4 aussi. Donc il me manque les 2 scarabées. Scarabée et scarabée Hercule. Le coryphène. Et après, je pense que le plongée d'ex, c'est pas une priorité. Vraiment, objectif d'aujourd'hui, si possible, c'est finir les poissons et les insectes. Et après, on fera la plongée. Je crois que c'était le dernier appât. Hein. On en a 14. Ce qui est cool, c'est que quand tu disperses ta nourriture, ça en fait spawn un autre rapidement.
Par contre, je crois que s'il y avait un petit, il y a plus de chances de choper un petit derrière. Quoique là, je dis peut-être totalement de la merde. Putain, là, j'ai eu 4 petites suites. Putain, une murène. Bon, en vrai, les murènes, rien à foutre. C'est vrai que j'ai pas regardé le prix de la murène avant, pour voir si elle se vendait bien. Putain, mais c'est une dinguerie. Je vais avoir un très grand, là, un moment. Bon, attends, vas-y, on va la prendre pour voir le prix de la murène. Je pense qu'elle se vend bien, la murène, en vrai. C'est pas un poisson très très commun. Par contre, tu sais instantanément que c'est une murène. C'est le seul poisson du jeu qui a cette forme. Eh bah, murène ruban bleu. Bah, c'est my bad, j'avais totalement oublié que la murène ruban bleu existait. Ah. Alors. Alors, mon coryphène ou pas? Putain, encore une carangue. Vas-y, ça fait chier. Et une chance sur deux de tomber sur le bon si c'est pas un bar commun. Et deux fois de suite, je tombe sur le mauvais. Il est trop petit, lui. Le plus grand. Putain. Non mais, il y aura tout le temps le même ou comment ça se passe? Putain, j'ai pas eu de chance, là. J'ai eu un seul très grand. Oh là là là. Oh papa! Putain, c'est vrai, j'ai pas eu de requin depuis tout à l'heure. C'est une rémora, ça, je crois. Il me paraît petit. Oh, c'est my bad. Non, c'est un gros truc. Papa! Oh putain, un requin si! Ah non, nous on voulait un marteau. Dommage. Dommage, papa, le requin. Donc ouais, Lucan cerf-volant, hein, quand je disais énorme noir, c'est impossible à rater. Et là, lui, tu vois, l'Emprima, ce que je voulais dire, c'est qu'il ressemble un petit peu à lui. Ouais, bon, pas trop. Mais avec des espèces de cornes en tant que mandibule. Tu vois, ça fait des cornes un peu. Alors que là, bah, c'est vraiment des mandibules comme ça. Donc il me manque plus que le scarabée classico ici. Et ici, le scarabée Hercule. Et là... Le bousier. Bah ouais, bah du coup, je vais... Ouais. Je vais aller prendre tous les appâts sur le chemin. On va aller jusqu'au musée, du coup. Bah on va faire notre chemin, hein, comme d'hab. C'est quoi ça? Ah, c'est un Miyama. Ouais, de loin, il ressemble au Miyama. Hein. Non, mais je pense que c'est le plus efficace, là, ce que je fais. Après, j'ai de la chance aussi que les seuls insectes qu'il me manque, ce soient des insectes disponibles sur les troncs. Et en plus, le scarabée, c'est une pierre de coup parce qu'il peut spawn sur les troncs de palmiers et les troncs normaux. Et ouais, c'est qu'au niveau des papillons, vu que j'avais des milliards de plantes. Ouais, vas-y, j'avais dit que je me débarrasserais de mes mauvaises herbes. Surtout que là, il y en a beaucoup, en vrai. Spouet, 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 spouet. Pas d'appât. Toi, tu es un Miyama. Je ne veux pas de Miyama. Moi, je veux un scarabée normal. Ouais, du coup, les lucanes, on n'en veut plus maintenant. Dehors les lucanes. Bon, après, je prends les lucanes rares parce que c'est de l'argent et j'adore l'argent. Mais bon. Oh. Là, je vois la bague sur le tronc, il y en a un. J'arrive pas à savoir c'est quoi de cette distance. C'est un Miyama. Ah. Oh. Ah non. Non. Non, non. Lui, je sais plus c'est lequel, mais bon, on l'a déjà. Papa! Il y a un requin. Ah ouais, ce palmier, il est pas pratique. Hein.
J'avais peur d'être trop loin. C'est lequel, lui? C'est le Atlas. Bon, écoute, pour des questions monétaires, évidemment, on va prendre ce requin. Enfin, ce requin. Ce poisson à aileron. Enfin, il est très rare. Merde. Il était très offensif, ça m'a perturbé. Eh ben écoute. Oh, mon beau petit musée, là. Oh, je l'aime bien. Oh, je l'aime bien, mon musée. Ouais, je pense que cette zone-là, ça va être la zone commerciale, un peu. Où il y aura le musée, il y aura... Il y aura le shop de Melimelo et des sœurs de Wattfée. Il y a juste la mairie qui est malheureusement bloquée là où elle est. Alors, Thibaut, dis-moi tout. Le lucane en prima est certes un insecte d'exception avec sa teinte métallique et dorée, mais j'ai le pénible devoir de t'asséner la triste vérité. Il n'est pas vraiment en or, mais non. En fait, c'est un insecte tout en écœurante insectomatière, des mandibules à la queue. Teinte dorée, médaille d'or du hunter, oui. Quoi? C'est juste ça l'anecdote? C'est qu'il a un aspect métallique et doré, mais qu'il n'est pas en or? Sérieux, sans déconner. Évidemment. Et Thibaut, tu n'avais qu'un job, me donner des infos. Ah, moi, je l'aime bien, mon petit musée. Spouette, spouette, spouette. Alors, y a-t-il des appâts de poisson? Y a-t-il des palourdes? Pas beaucoup de palourdes. Ça, c'est une girafe. Je la reconnaîtrai entre mille. Enfin, je crois. J'ai un doute que ce soit la girafe. Je crois pas. Je sais plus c'est laquelle qui ressemble à la girafe, mais qui est pas la girafe. Alors, c'est laquelle? Ah si, c'est la girafe. Il y en a une autre qui lui ressemble, mais c'est pas ça. Ah ah! Wahoo. Ah, mais c'est vrai que tout à l'heure t'étais comme ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai acheté un costume de vampire. C'est très précis. Écoute, pourquoi pas. En plus, elle dit j'aime pas le gaspillage. Enfin, je déteste le gaspillage. C'est pas vraiment du gaspillage, hein, ça va. Hein. Au pire, les vêtements, tu les donnes au... Tu donnes ton costume de vampire à des petits Éthiopiens, je suis sûr, ils seraient trop contents d'avoir des vêtements de vampire sur eux. Après, c'est que mon avis. Hein. J'ai aucune idée de duquel c'est, ça. C'est pas un Miyama, c'est pas un Kabuto. Attends, je le prends. Je sais que je l'ai, mais je sais pas c'est lequel. Ça se trouve, je l'ai pas. Ça se trouve, c'est le scarabée. Et en fait, l'image qu'on m'a donnée, elle était nulle. Ah, c'est le Inclinatus. Ah, ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Eh ben, là, je prie que pour une chose. C'est pour... Je prie que pour une chose, c'est de ne pas tomber sur des nouveaux insectes. Bon, heureusement que lui, je l'ai déjà. Attends, en vrai, je vais aller à mon craft d'appât. Normalement, je crois que le filet, j'ai de quoi en crafter. Hein. On va profiter pour crafter les appâts, du coup. Alors... Ouais, parfait. Bravo, tu as fabriqué un filet. Ah ah. Et oui, d'où l'intérêt d'avoir tout le temps du fer et du bois sur soi. Bon bah, comme j'ai dit, on va en profiter. Hein. Ouais, que 8. Bon allez, je vais utiliser mes appâts maintenant, et si j'y pense... Je vais aller choper le... La lucane éléphant, là. Non, pas la lucane éléphant, mais le... Le Lucan cerf-volant, pardon.
Parce que ça rime en on, c'est pour ça. T'as 1h20 de stream. J'ai l'impression que le temps il passe moins vite quand je fais du farm d'insectes et de poissons. En même temps, c'est pas méga intéressant, c'est juste, je fais des allers-retours sur la plage, je chope les palourdes. Une fois que j'en ai allé une bonne dizaine, je pêche sur le ponton. Si je trouve des insectes que j'ai pas ou des insectes rares, on prend. Ah mais les insectes des arbres, ils sont rentables aussi. Hein. Ils se vendent tous un minimum bien. Et en plus, c'est assez commun de voir les gros qui spawnent. N'empêche, tu te dis, j'avais vu un seul cerf-volant que j'avais raté. Là, on en a déjà vu 3 en un quart d'heure. Putain, j'ai encore le hockey. Je l'avais déjà tout à l'heure avant de lancer le stream. Je sens que c'est ma canne à pêche qui va se péter après. Ah bah enfin un gros. Torifen. Putain. Non non, c'est reparti. J'ai eu 2 carangues de suite, maintenant je vais avoir que des barres communs. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Et là, j'enchaîne les petits poissons. Vite. N'empêche, niveau probage, j'ai pas énormément de chance. Parce que là, c'est le 3e atlas que je chope, du coup, en tout sur ma partie. Ah, c'est vrai que j'ai une autre pelle au cas où. Eh, malinx ou quoi? Parce que, ok, il y a un insecte rare qui me manque, mais tu le dis quand même. Allez, j'ai une chance sur 6 que ce soit le bon gros insecte qui spawn. Et je l'ai jamais eu pour l'instant. Non mais regarde. Non mais regarde, le Atlas là, 2 de suite qui spawn. Même 3 avec celui de tout à l'heure. C'est fou. Il est fou. Il est fou, Afflelou, il est fou. Même le scarabée normal, qui je pense n'est pas si rare que ça, je l'ai toujours pas eu. Alors par contre, c'est la fête avec tous les autres. Hein. Bon, est-ce que je vais les vendre maintenant? Je pense que ça peut être le bon moment pour les vendre. Oh là là. Dommage, dommage. Déposer des objets. Oui. Putain. Oh, ça vaut que dalle une palourde. Putain, 10 000 la Lucane girafe. Scarabée Atlas, il en vaut que 7. Ouais, le costume de vampire, je garde pas. Hein. Et bien, putain. Putain, 57 000 les insectes. Rentable, rentable. Oh, papa!
Lucas. Moment de vérité. Bon, je dis ça, hein, j'ai déjà tous les requins. Lune de mer ou requin? Oh papa! C'est le grand papa blanc! Incroyable. Ah là là. Ah. Il est où? Il est plus là? Tout à fait. Merde. En vrai, je vais vérifier si le scarabée il spawn. Ah putain, c'est juste en dessous. Je vais vérifier si le scarabée il spawn bien en été, parce que je trouve ça bizarre quand même que j'en ai toujours pas vu. Tout l'été, juillet, août, 23h, 8h. Ok, bah ouais. Je trouve ça bizarre de ne jamais en avoir eu. Si c'est un insecte commun. Enfin, je dis ça. J'ai pas regardé si c'était un commun, mais je pense que oui. Ah non, rareté rare. Ah, je pensais pas. Après, qu'est-ce que rare? Genre, est-ce que les scarabées Atlas sont rares ou très rares? Là par contre le cerf-volant et la girafe, je pense que eux ils sont... Je pense que eux c'est le maximum de rareté. Mais tu dis quand même le nombre que j'ai eu là. Alors qu'à côté, toujours pas de scarabée. Ou même de scarabée Hercule. Ça se trouve le scarabée Hercule c'est le plus rare des poissons du jeu. Ah, des insectes pardon. Je sais pas, peut-être. J'ai plus rien. Il y a plus rien. Ça y est, j'ai défoncé toute la faune de l'île. Il y a plus rien qui apparaît. Il y a plus d'insectes. À part des trucs miyamoutous là. À part celui-là qui spawn tout le temps. Il y a plus de palourdes, j'ai des forêts, j'ai des flots, comment? Putain. Ah non, lui c'est le... Oh, c'est le Inclinatus. D'ailleurs, au moins ça change. On tombe pas tout le temps sur les mêmes insectes. Là, y'a rien. Alors, j'ai combien de palourdes? Est-ce que ce serait pas le moment de pêcher? Alors. Ah oui, en vrai. Hein. En vrai, vas-y. Hein. Ah mais par pitié vraiment, mais j'espère que Animal Crossing, soit pour le prochain Animal Crossing, soit pour celui-ci, mais s'il vous plaît, faites en sorte qu'on puisse crafter plusieurs appâts à la fois. Parce que là, un par un, mais c'est lent! C'est tellement lent!
très lourde japonaise. Tu veux faire quoi de ta palourde? Ah misère. Bon, après... Après, on se TP'ra en janvier. Comme ça, on pourra trouver des bousiers. Et dans l'eau, on pourra trouver des poissons ballons et des éperlans. Et fort heureusement, j'aurai pas besoin de changer l'heure. Bon, après, ça change rien. Faudra juste que je change la date. Mais du coup, on le fera après. Dès que j'aurai trouvé mon coryphène, évidemment. Dès que j'aurai mon coryphène et mes deux scarabées. Mais après, c'est pas dit que ce soit pour aujourd'hui. Je suis mal assis. J'avoue que j'ai un peu la flemme de farmer une autre fois les insectes, etc. La plongée, je dis pas, à la limite, pourquoi pas. Mais là, vraiment, aujourd'hui, si je peux finir les insectes et les poissons, s'il vous plaît, j'accepte. Avec plaisir. Bon allez, moment de vérité, coryphène ou pas coryphène? Coryphène ou je vais me faire foutre? C'est beaucoup arrivé quand même pour l'instant. Ah, gros poisson. Moi j'aime bien quand il y a gros poisson dans ponton. Ça se trouve coryphène, gros poisson, ponton. Oh le bâtard. Ok. Allez. J'en ai marre. Je veux mon coryphène. Putain, mais j'ai vraiment eu de la chance. Hein. Sur ma première salve de Appa, j'avais que des gros poissons. Et là, j'ai que des petits. Oh. Ah. Coryphène ? Oula. Oh, Harry, j'en ai marre. Je veux le coryphène. Putain, je suis allé trop vite. Attends. On va me dire bonjour, je vais être déconcentré. On lance la pêche après. Hop. Tac. Ah, j'étais tout seul chez moi. Ah, il paraît pas grand de loin. Pourtant, je crois que c'est un grand, lui. Un très grand. Allez, ça fait 4, tu es unique. Oh putain. Putain, mais imagine le précédent, c'était un coryphène vraiment. T'imagines, genre je n'ai raté aucun grand poisson, très grand poisson. Et le seul que je rate, c'était le bon. En vrai là, ça va, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de gros poissons. Mais en même temps, il m'a stressé, là. Il y a un bar qui m'a grabé directement. Du coup, je me dis qu'ils vont le faire tout le temps. Non, ça va. Là, j'ai une bonne salve, en vrai. Et que des gros. Allez. Allez. Sois l'élu. Putain. Ce bar, comment est donc l'élu? Trop petit. Il nous reste combien de places? Ouais, j'ai largement assez de place. Non. Non, j'essaie de voir si c'était le...
Le rare, mais non. Lui, il est commun. C'est un insecte qui ne sort pas du commun, et moi, je veux des trucs originaux. Je crois dans les trucs d'argent, le corail, ça se vend bien, il me semble, de souvenir. Ah, les Méli-Mélo, là, ils vont m'en devoir des thunes. Hein. Ah. Attends, il était pas là? Mais what the fuck? Il est où? Bon, tant pis. Go next. Wahoo! C'est pouette, pouette, pouette. Incroyable. L'aurait un jour le coryphène. Ah. Ah, c'est de l'argent, je reconnais. C'est de l'argent! C'est de l'argent sur tronc! Je dirais même c'est de l'argent sur palmier. Non mais c'est ça qui me rend fou quand même, c'est tu dis le nombre d'insectes très rares que j'ai trouvé sur les troncs et j'ai toujours pas vu les deux derniers que j'ai pas. Alors que là, le scarabée éléphant, je sais pas c'est le combienième celui-là. Je crois que c'est au moins le septième, un truc comme ça que je trouve. J'en ai tellement eu celui-là là. Ouais, non, lui, il doit être rare, il doit pas être très rare, je pense. Ah merde, c'est encore plus en dessous. Il y a des terrines pas lourdes. Alors qu'elle est toute légère. Et là, ma pelle se casse. Bon, ouais, c'est pas grave, j'en ai une autre. Ah. Ah merde, j'ai pas vu le point. Oh tant pis. Et qui toi? Tu n'es pas l'élu. Tu n'es pas celui que je cherche. Est-ce que vous avez des palourdes ici? Non, pas des palourdes. S'éloigne des arbres un peu au cas où. Parce que imagine les élus spawn et je peux pas les avoir. Voilà, ça sera rageant. Ça serait rageant. Parce que j'ai déjà raté deux gros insectes que j'avais pas pendant mes sessions Animal Crossing, là, d'août. Mais ces insectes-là, je sais, une fois, il y avait l'éléphant et le cerf-volant, je crois. Donc du coup, je les ai eus, quoi. Mais par contre, le Hercule et le scarabée normal, eux, je les ai jamais vus. Et ça, j'en suis sûr, pour le coup. Il y en a des apples, hein. J'en trouve beaucoup. Ouais, cet endroit-là, là, avec son petit cocotier tout seul, là, il sert à rien. Ah. T'es vu? Nahaha. Je t'ai vu, tu as cru que je ne te verrai pas. Tu ne le sais pas, bon. Tu ne le sais pas encore, mais tu es des amours. Ouais, allez, vas-y, on va craft les appâts. Ah, bah, surtout que là, il y en a deux autres. Bon, je crois qu'on va atteindre les 10, là. Après, on va aller vendre. Poisson! Poisson. Ouais, c'est la dèche. Hein. Tout à l'heure, là, j'ai enchaîné les gros insectes. Là, il n'y a plus rien du tout. Ouais, je vais rechecker les Discord pour voir s'il y a des gens qui proposent des villageois intéressants.
Là, on a rien sur le Discord anglais. Ah. Quelqu'un qui... Ah, quelqu'un qui se débarrasse de sa... De sa chino. À 18h47. Ah bah, 100% ce mec-là, il va se faire spammer de messages vu que chino, elle est très voulue. Même moi, en vrai, il faudrait que j'essaie de la prendre. Mais le problème là, c'est qu'il me faudrait un villageois qui veuille se barrer, quoi. Il me faudrait de la place, en fait, avant d'essayer de choper des villageois. Mais c'est vrai que là, ça serait vraiment l'occasion, quoi. Bah si c'est le cas, je vais tryhard pour me débarrasser de mes villageois, quoi. Ah, au moins d'un villageois, quoi. Ah, parce que là, à 18h47, hein. En vrai, c'est vraiment le moment, quoi. Si ça se trouve, j'aurais plus aucune occasion, mais si ça se trouve, l'autre, là, il va me dire... Enfin, il va me demander, parce que c'est sûr, les mecs, ils prennent la plus grosse offre. Là, le mec, si ça se trouve, il va me dire « Ouais, je la prends pour au moins 50 millions de clochettes. » Ouf. Moi qui ai 3 millions et demi, seulement. Super, je fais des appâts et là il y en a un autre. Super, je fais des appâts, il y en a deux autres qui spawnent là. Il y en a deux autres qui spawnent pendant que je suis en train d'en faire. Ah mais c'est vrai, mais en principe si tu remplis tes plages, s'il y a aucun stuff dispo sur les plages, ça veut dire les appâts ils vont toujours spawn sur les mêmes spots. Ah j'ai pas regardé la murène, elle se vendait combien du coup? Est-ce l'élu? Ah, il est énorme celui-là. Il est géant, je crois. Ah ouais, c'est un marlin! Non, c'est pas un marlin. Si, c'est un marlin. Ah putain. Bon, c'est bien, hein, mais bon. Je crois que j'en ai déjà un chez moi. Je suis pas sûr, mais je crois que je m'en fous d'un marlin. Ah, j'arrive pas à me rendre compte si ça... Je crois que c'est grand, ça. Bon, on va le tester. Ah si, c'est un très grand, je crois. Ouais, très grand. Est-ce qu'il est l'élu? Putain. Purée. Bon, allez, la murène. Oh. Et si tu retournes la tête, je te prends pas. C'est bon. Ah, c'est le marlin avant, il était violent. Hein. Il m'a spammé l'autre. Il m'a fait... Direct. J'ai attrapé une murène. Ouais. Je le savais. Je savais que ça arriverait à un moment. Tu bricoles? Oui. Oui, je le veux. Waouh. Waouh! On va en profiter pour crafter quelques appâts, vu que je peux en recraft. Ah. Pourquoi? Parce que j'ai crafté un certain nombre d'appâts? Ah ouais. 200. 1000 après! Mais ça ne va pas! C'est énorme! Ah! Un gros, lui. Merde.
C'est un gros papa, le poisson. J'ai failli appuyer. Ah, j'ai failli appuyer. Bon, dommage. Ça aurait été bon, hein, parce que vraiment, j'ai mis mon pouce sur la touche. Sur le A. Ce n'est pas l'élu. Ce n'est pas l'élu. Bon, allez. Tu te fous de ma gueule ? Alors, est-ce qu'il s'est barré parce que il était trop proche ? Non, trop petit. Est-ce que c'est parce que je lui ai mis vraiment devant sa gueule et que ça lui a fait peur ? Je sais pas. Non, ça c'est trop petit. Bah écoutez, je vais faire un aller jusqu'à Méli-Mélo. Jusqu'au shop des Méli-Mélo et après je vais contacter par MP la personne qui propose de vendre sa chino. On voit à peu près à combien ça peut se faire. Ah, un Goliath. Bah voilà, hein, tu vois, quand je parle de trucs rares... Quand je parle d'insectes rares, le Goliath, je crois que c'est, parmi les gros insectes, je crois que c'est celui que j'ai le plus eu. Wouahou ! Attrape bien ce carabé Goliath. Trop bien. J'aimerais bien le Hercule après, s'il te plaît, le jeu. Bon, je sais que j'esquipe une palourde, mais je sais pas où elle est. Donc, tempi. Je suis pas à une palourde près entre nous. Voilà, il y en a deux. Wouah! Et la deuxième, elle est là. Eh ben écoute, on va juste passer à côté des deux palmiers et on verra. Ça, c'est le copri irisé du coup. Ouais, il a une espèce de reflet. Ah ouais, il y avait de quoi le confondre avec celui de tout à l'heure quand même. Hein. Parce que les espèces de mandibules avant, on va dire, elles ressemblent. C'est pareil, je me souviens, le copri irisé, c'est soit quand j'étais petit, j'en avais plein, soit c'est... Oh, le grand papillon, papa. Vas-y, je vais le prendre. Hein. Casse-toi, Julie. Tu es en train de te foutre de moi. Ok, j'ai réussi à choper en plein côté. Putain, elle me dit pas bravo l'autre alors qu'elle m'a gêné pour le prendre. Paf, 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 paf. Combien vaut le requin? Ouah, putain, le requin, il vaut 12k. Alors, le Goliath. Ah, il vaut 6500. La murène. Ah ouais, bon, d'accord. Les murènes, j'arrêterai de les prendre. Scarabée éléphant, il en faut 7. Et le marlin? 8? Ah ouais? Putain. Je m'attendais à plus. Eh ben, c'est donc, hein. N'empêche, le farm de poissons et d'insectes, c'est... C'est rentable. Bon, allez. Je vais contacter la personne. Hello. I am interested for Chino. Tac. Qui voulait? Looking for Nook Miles ticket or bells. C'est quoi, c'est how much ou how many, je sais plus. Je crois que c'est how much.
How much do you want? Attends, comment on dit clochette en anglais? Ah, c'est des bells. How much bells or nook miles ticket do you want? Ah, j'ai dit hello, I am interested. Non, ce n'est pas l'élu. Paf. Tu as trouvé une palourde. Mais non. Il est là. Oh. Super! Tu as attrapé un scarabée Hercule, je le croyais plus fort. Je vais aller le mettre dès maintenant au musée. Eh bien, c'est officiel. Il ne me manque plus que le scarabée parmi les insectes. Ah, ça fait plaisir. À deux doigts. Ah merde, le monsieur que je viens de contacter, il est en... Il est pas là. Il est en... Comment? Il est en absent. Bon, tant pis. On va attendre. Ah, je pense que je vais save maintenant. Je vais save et je vais redem la... La sauvegarde. Pour être sûr. Ah. What do you have to offer? Bah écoute, en vrai, je vais lui proposer le max que je puisse. Ah merde. Ah, c'est my bad, on n'a pas lu. On n'a pas lu, mais là, vu que je peux peut-être avoir la petite Chino. Mais je pense que je vais commencer dès maintenant à faire du time travel. Hein. Parce que les Nook Miles tickets, ça coûte combien? Je crois que ça coûte 2000 à l'unité. Enfin, ça serait trop marrant que je tombe sur un scarabée. Mais non. Ah, j'ai oublié de vendre mon corail, tiens. J'ai oublié. Alors, en argent. Je pense que je vais pas lui dire 3,5 millions, je vais lui dire 3 millions parce que... Ah mais attends, mais est-ce que je peux me balader avec plus que 3 millions? Je crois pas. Utiliser le DAC. Parce que je sais pas combien valent ces villageois, quoi. Attends, je vais regarder sur Nukazune, sur le site Nukazune. Je vais regarder Shino, combien les gens la vendent en moyenne. Shino, 7 millions. Quoi? 7... Attends, ah non, 4 millions là, je vois. What the fuck? 4 millions. Ouais, 4 millions ou 60 trucs. Bah écoute, je vais lui dire 3 millions 5. 3 millions 5... Attends, millions en anglais. C'est quoi, c'est millions ou billions? Je sais plus. Ouais, je vais mettre un M. Et les tickets Miles Nook, j'ai combien? Ah, mais là, c'est vraiment le max. Hein. 100%, il va me dire, bah écoute, bro, je veux littéralement les deux. Et là, je peux en acheter combien? Merde. Je peux en acheter 2000. Donc, 38 divisé par 2, ouais, ça fait 19. Bah, je lui propose 3 millions 5 et 19 Nook Miles. Yavnaoutak. Je vais dire Yavnaout 3 millions 5 et 19 Nook Miles.
On verra ce qu'il me dit. Il ou elle, hein, bien sûr. Ouais. Après, en vrai, c'est pas grave si je dois me séparer de tout ça. Parce que les villageois, c'est de très loin les choses les plus chères du jeu. C'est de très loin le plus cher du jeu. Eh bien, écoutez, on va continuer en attendant qu'il me réponde. Mais du coup, je sais pas comment ça se passe. J'imagine que je dois faire plusieurs tours. Donc en insecte, il me manque plus que le scarabée, du coup. Ah, il est en train de me répondre. On check toujours ici au cas où. Et là, il va me dire « Ah, désolé, je cherche pour minimum 15 millions de clochettes. » Ah, est-ce que ce serait pas le moment de farmer les navets? Après, faudra que je regarde s'il y a une espèce de garantie, mais je crois... 15 millions... Attends, 15 Nook Mile Ticket. Oh, attends, il me propose pour 15 et 15. Oh, ok. Ok, that's good. For me. J'espère qu'il a compris les 15 millions. Ok, that's good for me. Putain, eh, c'est pas beaucoup, hein. Ok, that's good for me. I just need to force a villager to leave. Eh ben écoute, on va faire ça tout de suite. Eh ben putain. Ok. Bah, incroyable. Parce que vraiment, Shino vaut beaucoup plus que ça, je pense. Hein. On est d'accord que Shino, on parle bien de l'antilope, là. Ah, c'est elle. Bah, putain, bah incroyable. En espérant que le mec, il a pas une autre offre en attendant. Eh ben écoutez, ça va être le tryout pour se débarrasser d'un de mes villageois. Heureusement, j'ai vu le... guide. Donc, j'avance d'un mois. Eh ben, écoutez, on est parti. Opération Shino. Putain, aujourd'hui, c'est opération Shino, poisson et insectes. Alors, date et heure. Ouais, vas-y. Alors, du coup, j'avance d'un mois. Et je mets à 1h de l'après-midi. Et après... On fait jour par jour. Et ce qu'ils disent après, les mecs, c'est quoi? Alors, target in their house. Ah, si les gens sont dans leur maison, ils peuvent pas partir. C'est pour ça qu'il faut mettre 11h. Parce que à 13h, pardon, il y a plus de chances que les gens y soient chez eux. Alors si la target n'a pas de bubble, c'est tant pis. Si la target, elle pense à autre chose, c'est tant pis. Si quelqu'un d'autre a une bubble, c'est mort. Ah, dès l'instant où quelqu'un a des bulles, c'est mort. Eh ben écoute, on est y part. Opération se débarrasser de l'un de mes trois imposteurs. Et du coup, si c'est pas le bon qui veut se barrer, faut que je fasse quoi ? Target in the house, target has not sound bubble. Donc dans leur maison, c'est même pas la peine. Bon après, je sais pas moi. Mais normalement, il n'y a pas de raison qu'ils soient chez eux. Ouais, c'est pas grave.
On regardera le courrier plus tard. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Il m'appelle. Ah, c'est Méli et Mélo. Oh putain. Ah bah oui, il est avec tous les insectes que j'ai récupérés. Tiens, est-ce que ma canne à sucre, elle a poussé du coup ? Ah oui, ça sert vraiment à rien en fait. Monica, ah, tu vas bien. Monica veut pas partir. Monica m'aime toujours. Donc là, putain, septembre très très doré. Hein. Donc Kurt, il veut pas partir. Donc moi, les gens dont je ne veux plus, c'est Kurt, Alice et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Mais putain, c'est la fête là, les insectes. Oh. Il n'y avait pas tout ça avant. Oh putain, les mauvaises herbes. Oh, les mauvaises herbes. Oh putain, ça se développe tellement rapidement, les mauvaises herbes. Je pensais pas. Attends, c'est qui les villageois que je veux pas, moi, déjà? C'est Kurt. Ah oui, c'est Gradub. Kurt, Alice, c'est Gradub. Mais faudrait que je sache où ils sont pour aller plus vite. Je sais pas où est-ce qu'ils habitent. Attends, je regarde maintenant. Alors, Alice, elle habite en bas à droite. Kurt à droite. Et Gradub ici. Ah. Ok. Ah mais ils sont tous dehors. Ah merde, je pense qu'à cause du... à cause des insectes, je pense que c'est mort. Eh bah tant pis. Ah j'ai pas eu de chance. En espérant que le mec ne perde pas patience. C'est bon le 29. Voilà. J'espère qu'il ne perdra pas patience. Hungry to let the target villager move out. Save and you're done. Ouais, malheureusement, je pourrais pas donner 1,5 million tout pile de clochettes à la personne. Parce que malheureusement, on peut qu'avoir 99 000 sur nous. Ah, quoique, non, je dis de la merde. On peut avoir 99 000 sur nous et après des paquets de 99 000. Donc si je peux avoir les 1,5 million. Mais oui, ça me paraît pas tant que ça. Hein. Parce que 1,5 million de clochettes, si tu fais des navets, c'est peu. Vraiment. C'est pas tant que ça. Ah, bon déjà, Gradub, il veut pas se barrer. Mais Gradub, hein. Vraiment Gradub. Sa bouche est moche, ses yeux sont moches, ses oreilles sont moches, sa gueule en général est moche, et même son prénom est moche. Le pauvre... il a eu tout pas bien à sa naissance. Là, faudrait que je regarde sur Nukazoon combien coûte PEC. Bah, c'est bien, du coup, je pourrais vraiment faire mon quartier asiatique si j'arrive à la choper. Tout de suite, des annonces du jour. Nous avons des visites au camping. Ah. En vrai, je vais vérifier. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait. Marie nous l'annonce s'il y a quelqu'un en camping. Imagine ces chinos. La dinguerie. Oh non, me dis pas que c'est encore en mode insecte. Eh, tu vois, ça m'étonne. Vu comment il s'habille, chef, ça m'étonne vraiment qu'il ait une maison comme la sienne. Mais du coup, attends, le jeu, il a enregistré, là, que je voulais... Parce que... Ah non, bah oui, parce que le jeu a enregistré que je me suis, connecté à la veille, on va dire. Do not talk to anyone except the target. Focus around the plaza and near the house. On va regarder le camping, on sait jamais. Hein. Parce que si le camping, il y a...
Il y a un personnage qui m'intéresse. Allez hop. C'est ciao. Le seul oiseau que je veux... Non, il y a deux oiseaux que je veux bien. C'est Peck. Et l'autre dont je veux bien, c'est Apollo. Alors Pekan a fait son Tai Chi. Julie, tout va bien. Peck et Jennifer, tout va bien. Là, je sais plus c'est qui, mais... Ah ouais, non. Non, non, non. Et toi, tu veux pas partir, on est d'accord? Ouais, bon. Allez. Parce que la maison en haut à droite et en bas à droite, c'est deux des maisons de villageois que dont je ne veux plus. Putain, mais après, ça va être tellement dur, en vrai, de se débarrasser de ce villageois, quoi. Parce que là, il y a trois villageois dont je ne veux pas. Mais avant, on va dire, on se faisait pas chier, quoi. Ah, il y a des verified content creator. C'est rigolo. Je pourrais l'être ou quoi? Bon. Ah, un villageois dont son anniversaire est dans 7 jours ne peut pas partir. Rigolo. Je savais pas. Oh, je viens de voir quelque chose de très intéressant. Si dans ton inventaire, tu as un kit de réinstallation de maison, et bah dans ce cas, cette personne, enfin ce villageois ne peut pas être parmi les villageois qui veuillent se barrer. Putain, c'est bien ça, ça veut dire que... Ah mais est-ce que... Moi j'aurais tendance à te dire je ferais ça avec Monica, comme ça, voilà. Pas de grandes nouvelles. Un sujet de saison. J'ai vu un truc tomber des arbres. D'accord. Bien, j'adore les arbres. C'est quand la fin de l'été, c'est déjà... Ouais, c'est le 21 septembre, je crois. Ou c'est le 21 octobre, je sais plus. Je ne sais plus. Bon, alors. Alors, Pauline, tout va bien. Alice, elle veut pas partir. Ok. Olival, ta gueule. Bon, il me manque plus que Kurt à trouver. Attends, si ça se trouve, c'est ça la maison de Kurt. Non, c'est Alice. Coucou, Olival. Non, ta gueule, laisse-toi. Je ne t'aime pas, Gradub. Personne ne t'aime. Oh, c'est l'Halloween. Putain, il y a encore la vie. Ouais. Écoute. Console. Date. Date. Marche. Et ça y est, nous sommes officiellement en octobre. Et oui, l'automne arrive. Octobre is coming. Là, ça fait quoi? Ça fait déjà 10 minutes? Spoilé, poète, 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 poète. C'est long. C'est long, mais ce n'est qu'un détail. Putain, mais je sais plus, mais je me souviens avec les derniers streams que je faisais sur Animal Crossing où les villageois, je voulais qu'ils se barrent.
C'était, bon, bah, il y a 4 ans. Bon, bah, Kurt qui peut pas partir. Ah, au moins, c'est bien, j'aurais pas besoin de le chercher, lui. Mais ouais, quand je cherchais à me débarrasser de mes villageois, c'était long, en vrai. C'était très rare que ce soit rapide. Spouette, pouette, 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 hello. Mais dis-moi que quelqu'un veut partir. Bonjour. Pas de grandes nouvelles. Sujet de saison. Ah, c'était l'Halloween. Halloween, c'est quoi? C'est le 31? Ah, c'est une vendée poutre de citrouille. D'accord. Mais arrête de parler, Marie. J'aime pas, déjà. Non, en vrai, ce que j'avais dit, je pense que si Marie, c'était une ville... Enfin, si c'était un habitant, 100% elle serait très populaire. Bon, du coup, Kurt, on a vu qu'il veut pas se barrer. Donc, faut trouver... Hé, hey, gamin! Qui m'a dit gamin? Ouais. Qui m'a insulté? C'est ça, la maison de Gradub? Ah merde! Attends, mais elle habite où? C'est quoi la maison de Gradub? C'est celle-là? Il est chez lui ou pas? Ah putain. Ouais, s'il est chez lui, c'est pas la peine. Kurt, on l'a vu, il pêche. Donc faut trouver Alice. Elle est peut-être chez elle. Non, Alice n'est pas chez elle. Là, il manque plus que... Ah mais non, mais Gradub, on a dit qu'il était chez lui, je crois. J'ai déjà oublié. Ouais, Gradub est chez lui. Kurt, on a vu qu'il pêchait. Donc... Après, je peux peut-être essayer de le rechercher. Hein. Il est peut-être en haut, vu qu'avant, on l'a vu ici. Et si je le trouve pas, tant pis, hein, je redémarre. Ouais. Tempi, tempi. Ouais, ils disent d'être efficace en mode bois, tant pis, hein, tu vois, si tu trouves pas. Date et heure. Oui. Try again. Ah là là. C'est long, c'est long. Après, ça va parce que je pars du principe que c'est un Discord mondial, celui sur lequel je suis, où très probablement la moitié des utilisateurs sont américains. Donc en principe, aux États-Unis, là, on est en plein milieu d'après-midi, on est en vacances. Je pense que la personne, elle serait dispo un peu tout le temps. Allez. Allez. Dépêche-toi. Le chargement est tellement long, par contre. C'est une dinguerie. Pour mettre une petite musique. Ah putain, on bat Gradub qui veut pas partir. En vrai, c'est bien que le jeu me les pointe directement, parce que du coup, je n'ai pas besoin de les chercher. Je spamme le bouton. Bonsoir. Bonjour. Mercredi, actuellement 13h22. Et pas de grandes nouvelles. J'aimerais vous parler d'un sujet de saison. Oh non. Cette délicieuse cucurbitacée. Non, juste pour esquiver ce blabla, je pense que je vais switch à novembre maintenant. Parce que là, ça veut dire qu'elle me parle pendant 30 secondes pour rien, alors qu'elle pourrait juste me dire « Ouais, voilà, allez. » Bon bah Gradub, on sait qu'il veut pas se barrer. Et en vrai, la méga priorité, c'est Gradub. Hein. Si il peut se barrer en premier, mais casse. Waouh. Alors est-ce que... Ouais, c'est bon, les patates et la canne à sucre ne périment pas. On sait jamais.
Alors, est-ce que Kurt, il est chez lui? Non. Bon, Gradu, bon, on l'a déjà vu. Coucou, Libal! Ah, ta gueule. Putain, avec sa gueule. Ah bah, super. Bah, au moins, c'est bien. C'est bien parce que eux deux, ils font partie de ceux que je, dont je veux me débarrasser. Donc, tac, tac. Voilà, je préfère passer direct en novembre parce que vraiment, elle m'emmerde, Marie, à autant parler. Après, on verra, hein, si j'ai un habitant dans le camping qui m'intéresse, qui fait partie des rares habitants qui m'intéressent, dans ce cas, je le prendrai. Mais j'espère que le fait de prendre un villageois par le camping, ça va pas t'empêcher d'en avoir qui veulent se barrer. Est-ce que si t'en as un du camping qui veut emménager, normalement, ça... Oui, ça va t'empêcher d'avoir un villageois qui se barre. Mais une fois qu'il est installé, c'est bon, normalement. On verra, je sais pas, au camping, j'ai peut-être une chance sur 200 de tomber sur... Non, quoique, je dois avoir une chance sur 100. Je sais pas, il y a combien de villageois en tout. Ouais, je trouve ça dommage que l'arbre, il pousse pas. L'arbre à gauche de la maison de Blanche, c'est dommage. Sinon, je fous une plante, mais bon. Le mieux, c'est vraiment de foutre un arbre à cet endroit-là. Je sais pas ce que je dois faire pour le faire pousser. Oh, y a pas une connerie en mode faut l'arroser au moins 3-4 fois. Je sais plus. Ah, ça y est, elle a froid. Non, non, non! On va voir que notre île était pleine de champignons. Ah bon? Oh non. Et j'espère que demain elle va pas me refaire son blabla. Hein. Si ça se trouve, si je sauvegarde, elle ne me fera plus le blabla parce qu'elle me l'a déjà fait une fois. On va tester. Bon, Gradub il veut pas partir. Cœur, sa maison. Ok. Ok, il faut trouver Kurt et Alice. Oh, je l'aime bien, elle. Elle, je l'aurais prise sur mon île si c'était une villageoise. Oh. Julie. Putain, ça va être dur de les trouver, là, s'ils sont pas autour de chez eux et autour de la mairie. Ça se trouve, ils sont en haut. Je pense qu'ils vont être chiants à trouver, hein. Je crois que j'ai jamais joué en automne hein, parce que ça me dit rien les champignons. Les coquillages estivaux qui sont toujours là. Ouais bah écoute. Hein. Je sais pas où ils sont. Hein. Ça fait deux fois que je vois ni Kurt ni Alice là. Ah. Monica, tu vas me dire quoi? Je peux pas mieux tomber, j'ai besoin d'un conseil. Ah, putain, Monica qui veut se barrer. Putain. Et pourtant, quand je l'ai vue, elle avait pas de bulles. En fait, ils ont pas forcément des bulles directes. Putain. Je crois que c'est pas la première fois que Monica veut partir, en plus. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Enfin bref, bonsoir Tintin, bienvenue sur ce nouveau streaming. Comment vas-tu? Vraie question que je te pose là. Eh oui, hein, objectif. Je sais pas depuis combien de temps t'es là, peut-être tu viens d'arriver ou quoi. Mais là, du coup, ça fait 20 minutes que j'essaye de me débarrasser
de l'un de mes trois villageois que je veux pas. Tout simplement parce que j'ai une offre pour avoir Shino, l'antilope japonaise. Donc voilà. Ah, je suis là depuis le scarabée Hercule. Ah bah écoute, tu sais quel est mon objectif. Et ça va nickel du coup. Bah je suis content pour les insectes, je suis content pour Shino. Mais du coup là-bas je vais tryhard jusqu'à avoir un habitant qui veut se barrer. Donc habituellement les streams durent 3 heures max. Sauf si je vois pas le temps passer ou si je tiens vraiment à finir ce que je fais. Exemple le dernier épisode de Paper Mario, exemple Mario Galaxy. Genshin aussi ça peut arriver. Ah ouais, me parle encore du sujet de saison. Ouais, j'espère qu'elle ne me dit pas la même chose tous les jours. Hein. Oh là là. Mais ouais, le jeu, du coup, il a bien enregistré hein, que je me suis connecté la veille. Hein. Donc c'est qu'il y a des saves automatiques. Après, c'est pas plus mal, hein, parce que imagine t'as un crash... Alors, attends. Ok, Kurt, il est pas chez lui. Ah, c'est ça, les fameux champignons. Attends, j'ai peur. Monica, elle est chez elle, non? Attends, je vais voir, parce que vu qu'elle voulait se barrer hier, j'ai envie de voir si elle se barre ou pas. Ça serait horrible, hein. Si elle veut partir, c'est horrible pour moi. Parce que Monica, je l'ai eu par hasard il y a 4 ans. J'ai eu peur. Oh putain. Et en plus tout à l'heure au tout début du stream elle m'a dit putain mais Lival je te kiffe trop. Attends je veux te dire quelque chose, je te kiffe mais vraiment juste. Elle m'a dit ça mais j'étais en mode oh putain mais moi aussi je t'adore Monica. Et là elle me dit qu'elle veut partir mais faut savoir. Oh c'est kéké. Oh putain. Bon Gradub c'est mort. Enfin Kurt c'est mort. Attends faut trouver Gradub et Alice. Ok Alice c'est mort. Et Gradub. Ouais, l'avantage, c'est que vu que toutes mes maisons, elles sont à droite. Okay. Ouais, vu que toutes les maisons de mon île, elles sont à droite, bah, les villageois sont très souvent à droite. C'est très rare qu'ils aillent plus loin. Merde. Ouais, à la limite, c'est pas plus mal que j'ai une perche. Là, je regarde un peu. Ah merde. Ah oui, en fait, ma perche, ça sert à rien. Hop. Putain, bah, Gradub... Oh oui, hein. Bah, écoute, tant pis. Oh, t'es toute mimi, là, comme ça, Ike. T'es toute mimi. Moi, je l'aime vraiment bien, Pécan. Eh ben écoute. Tempi. Bon, on sait que on peut se débarrasser des villageois. Ah oui, putain, c'est vrai que j'avais dit je prends le camp de Monica. En vrai, j'aurais énormément le seum qu'un villageois parte malgré le fait que je refuse, on va dire. Mais Monica, il faut que je fasse en sorte qu'elle puisse pas partir, donc. Je vais aller demander un kit de déplacement pour Monica, pour faire en sorte qu'elle ne se barre pas. Allez, dépêche-toi le jeu vidéo, là. C'est lent, hein. Vraiment, les chargements, ils rendent fou. Ah, merci de me pointer. Merci de me pointer, Pécan et Pauline. Mais ouais, elles sont trop mimi toutes les deux, là. Elles sont toutes petites, là.
Ouais, Pauline, c'est la seule panda du jeu, je crois. Enfin, je dis panda, je sais même pas si c'est une panda. C'est mini pandate, en tout cas. Mais elle est toute mimi, moi, je l'aime bien. Et Pécan, je trouve que c'est la... Je trouve que c'est le plus beau habitant de type écureuil. Bonjour à tous. Nous avons de la visite au camping. Et là, c'est Chino. Et là, je dis par MP, bah, je suis vraiment désolé, je viens d'avoir Chino dans mon camping. Mais bon. Les probas sont faibles, mais les probas existent. Alors déjà, avant toute chose, est-ce qu'ils sont chez eux? Non. Non. Et non. Ok, donc ça veut dire qu'ils sont trouvables. Julie qui est là, Julie tout va bien. Alice. Bah là, la mairie, elle est là. Mais ouais, mais ils sont où? En fait, le problème que j'ai, c'est que je sais pas où ils se barrent. Parce que normalement, ils sont pas censés aller à gauche de l'île. Hein. Ah. One second later. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Qui en a de beau? Beau. Ichiya, peut-être. Mais vas-y, mais j'ai que des piafs, mais c'est pas possible. Eh, quitte à avoir des piafs, donnez-moi pec. Ouais, je me dis que si je les vois pas, ils sont peut-être en haut. Chef, il est chez lui. C'est bizarre que je les trouve pas comme ça. C'est pas comme s'il y avait des milliards de choses à faire. Monica, elle est chez elle. Eh ben écoute, on va prendre un kit de déplacement. En vrai, vu que j'y suis, vu que je vais save... Je vais en profiter pour regarder s'il y a des trucs intéressants ici. Ah, il n'y a rien à gauche. Les poubelles et tout, ouais non. Sans plus. Sans plus, sans plus. Ah, c'est étonnant qu'il n'y ait pas le truc à gauche. Peut-être parce qu'on est dimanche dans le jeu là. Bon allez, je pense qu'après cette... Après ma save, je pense que je vais aller faire une petite pipi. Pipi. Bonjour Lival, bienvenue au guichet de construction. Parlons infrastructure. Oh putain, j'ai pile assez. Déplacer un bâtiment. Je veux déplacer la maison d'un résident. Monica. Oui, oui. Bon, en sortant, je vais un petit peu me balader au cas où. Hey Monica, veux-tu déménager? Vive le changement, j'ai hâte de démarrer ma nouvelle vie. Non, ne dis pas ça, Monica, après tu veux partir de l'île carrément. Ah, mais Monica, tu ne peux plus partir de mon île maintenant, tu es bloquée. Si, si, si. Ah, 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 Monica, il ne peut plus partir de chez moi maintenant. Si, si, si. Donc ça veut dire que maintenant j'aurai une chance sur 9. Non, j'aurai une chance sur 3 qu'un habitant dont je ne veux plus se barre. Alice ici. Je crois Alice, je l'avais déjà vue. Et Kurt et Gradubles, ils sont où? C'est fou que je ne les trouve pas, quoi. Cette île est pas désagréable, mais je peux pas m'empêcher de penser que je pourrais trouver mieux. Il suffisait
d'invoquer Monica. Et let's go. Alors oui, j'ai plein d'amis dans le coin, mais je me demande si on me supporterait aussi ailleurs. Et écoute, t'habites dans un bidonville, personne veut de toi. Pas de route. Je suis pas encore tout à fait parti, mais merci pour tes encouragements, gamin. Avec du recul, la vie ici était pas si mal, tu prendras soin des autres, et qui sait, on se recroisera peut-être. Ouais, de fou, de fou. Allez, on fait une pause. Je vais quand même attendre qu'il soit officiellement parti pour dire à l'autre « Ok, c'est bon, j'ai ma place. » Enfin, avant, je vais sortir les tickets Nook Miles. À la papa ! Ah bah putain, j'ai invoqué le pouvoir de la pisse. J'avais dit « Bon, allez, dernier coup et après je vais pisser. » Et là, il veut partir. Ben, incroyable, tu veux que je te dise quoi ? Putain, j'ai eu de la chance, hein, n'empêche. Hein. J'ai eu vraiment de la chance. Bah, j'avais une chance sur trois que le bon villageois se barre en soi. Et bah, je suis tombé sur un bon villageois qui partait. Là. J'ai vraiment eu de la chance. Le premier, c'était Monica, où j'étais en train de pleurer. Et après, vous me dites que c'est Kurt, mais les gars... Putain, j'ai bien fait de vérifier. Hein. J'ai bien fait de vérifier au cas où. Et bah, let's go, GG. Bah, let's go. Non, je suis content. Content. Putain, mais c'est vraiment aujourd'hui, c'est incroyable. Je vais avoir The Villageois que je cherchais pour pas si cher. J'ai pu me débarrasser de l'un de mes villageois dont je ne voulais pas rapidement. Et en plus, j'ai eu bah, plein de nouveaux insectes. Donc je vais regarder que Kurt veuille bien se barrer. Mais je crois que là, j'ai pas besoin, hein. Suffit juste que je sauvegarde et voilà. Entre nous, je pense que Kurt, personne n'en veut. Hein. Vraiment, hein. Mes villageois là, Gradube et Alice, ça m'étonnerait grandement que quelqu'un veuille ce truc. Non, c'est la ville qui verra. Oh non, Kurt! Ah, merci Marie. Pour une fois que tu dis des choses sensées. Tout ça pour des paillettes. Qu'est-ce qu'il y a, Monica ? Envie de changer la déco de chez moi. Si tu veux. Ah, pour maintenant ! Ah merde, attends, non ! Bon, attends. Tant pis, au pire, ça noue une relation avec Monica. Ah merde. Ah du coup, j'ai des cafards. Est-ce qu'elle va réagir au fait que j'ai des cafards chez moi? Ah merde. Je suis désolé, je fais du time travel. Je suis désolé, Monica. Ah la pauvre. Bon bah voilà, officiellement Kurt qui se barre. Bah du coup je vais aller retirer tous les tickets Nook Miles et je vais dire au mec que c'est bon. Au mec, la meuf, je ne sais pas. Je ne sais pas évidemment. Jess, parce que le nom Jess en pseudo, si c'est son prénom, ça peut être un nom de mec comme de meuf, je crois. Console date et heure. Paf. Eh ben nickel. Eh ben aujourd'hui c'était vraiment opération time travel. Hein. T'es passé pour un gros dégueu auprès de Monica là. Ouais, mais c'est pas grave. Ça se trouve. Tu dois avoir une barre de relation avec les villageois. Si ça se trouve, cette barre...
Alors que Monica, dans le jeu, c'est ma meilleure amie, mais de très très loin. Mais c'est plus que ma meilleure amie, c'est ma confidente. Et plus que tout, c'est ma femme dans le jeu. Je lui ai donné la bague en diamant, elle était contente, et même tout à l'heure, gratuitement, elle m'a dit « Hey, Lival, tu sais quoi, je te kiffe trop. » Vraiment, j'étais en mode « Oh. » Jamais quelqu'un m'a apporté autant d'amour. À la papa. En vrai, Alice, cette koalate, elle est pas si moche que ça. Alors que Gradub. Et Gradub est horrible, hein, vraiment. Kurt, il vit dans un bidonville. Mais même, vraiment, ses chefs, je suis étonné qu'ils vivent en mode... comme un SDF, en fait. Il vit pas en mode bidonville, il vit en mode SDF, lui. Alors, je vais vérifier que la maison de Kurt s'est bien barrée. Bonjour, Monica. Pom, 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 pom. Y a pas écrit vendu. Non mais regarde, Pécan, elle est trop mimi là, toute petite là. Bon. Eh ben écoute, moi je vais faire de la place dans mon inventaire. Hop. Alors est-ce qu'on peut drop les palourdes? Ah, relâcher. C'est vrai que ça m'arrange pas. Parce que là, ça veut dire faut vraiment que je libère entièrement mon inventaire. Paf. Eh ben écoutez, après avoir obtenu Shino, je sais pas si je vais continuer de stream. Je vais peut-être continuer un petit peu de chercher des insectes et tout, mais... En vrai, moi, là l'objectif du jour, c'était de finir potentiellement le poisson d'Ex et l'insecte d'Ex. Bon, malheureusement, nous n'aurons pas réussi. Mais pour les insectes, je me serais grandement rapproché. Donc il m'en manque plus que 3. Donc plus que 3 insectes et 3 poissons. Mais surtout, Shino. Et je suis content que la personne là, elle me prenne que 1,5 million de clochettes, parce que ça veut dire qu'il m'en reste encore pas mal au cas où. Bon, est-ce que je peux tout drop ici? Ah. Bon, je vais prendre un petit screen pour me souvenir de la position dans mon inventaire des choses. Et je vais tout entreposer. Pa, 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 pa. Merde. Entreposer. Ouais, je pense que cette échelle, j'en ai plus besoin. Kit de Monica. Ah merde. Attends, je vais aller le rendre. Bah. Monica, mais attends, pourquoi je suis habillé comme ça? Ah, parce que j'ai plus ma baguette. Attention, j'arrive. Attends, j'ai pas envie d'être habillé comme ça. Bon, attends, Monica, entre nous. Je t'aime bien, mais... Genre... Vraiment... C'était pas le moment. Modifier les tenues. Changer de vêtements. Et je peux pas mettre ma tenue directement? J'aimerais bien mettre une tenue directe. Bon, celle-là. Changer de vêtements. Non. Changer d'image, placer dans le rangement. Oh putain. Je suis obligé de me rhabiller bien à la main. Parce que là, le problème, c'est que j'ai pas la place d'avoir tout ce qu'il me demande d'autre. C'est vraiment moche, ces vêtements-là. Ouais, allez, vas-y, on verra.
va bien s'habiller. Petit chapeau. Oh ouais. Oh. Oh là. Le dingue. Merde, putain, ça m'a pas enregistré. C'est pas possible. Il faut voir les gens et être habillé sérieusement. Ah mais attends. Oh. Le problème réglé. Ici c'était quoi que j'avais pris? C'était un short. C'était celui-là peut-être. Non, c'était un short comme ça. Je sais plus lequel j'ai pris. Je crois que c'est le bleu, mais il est pas là. Bon écoute, on va prendre ça. Le chapeau, bah normalement c'est ma casquette. Casquette Naruto. Ah nickel. Et les tongs. Je sais pas si je les retrouverai. Ouais, vas-y, on va prendre des tongs dorés. Et du coup, mes lunettes de soleil, elles sont pas là. Bon, à la limite, c'est pas grave. C'est parfait. Eh bah, écoute. Et après, quand je reprendrai tout dans mon inventaire, dont ma baguette, je pourrai être bien. Ah, dommage que j'ai pas les lunettes. Je pourrais re-être bien habillé. Avec mes tongs dorés, là. Bonjour, mes louves. Vous êtes mes louves préférées de l'île. Ouais, c'est le moment de retirer environ beaucoup d'argent. Putain, les tickets, je vais les retirer un par un. Utilisez-le, d'accord. Retrait. 1, 5, 0, 0, 0, 0. Beaucoup d'argent sur moi. Alors, juste pour voir comment ça s'est stacké. Ah, putain, c'est vrai que j'ai le truc de Monica. Ah, mais l'inventaire, il est énorme, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, c'est my bad, là. Je pensais que l'inventaire était plus petit que ça. Échanger des miles nook. Ouais, c'est ça. Donc, faut que j'arrive à combien? 15, faut que je fasse moins 30. Donc, il faut qu'il m'en reste 9000. Veux-tu choisir un autre article? Oui. S'il vous plaît, mettez-moi. Voilà. Bon, bah là, c'est le moment chiant. Là, c'est comme si j'étais en train de crafter des appâts. Pam 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 madam. Ah bah je sais qui je vais mettre pour la miniature. Je vais mettre Shino. Après faudra que je prenne sa photo. Ouais, les choses que je ferai avant d'arrêter ce stream, c'est évidemment je fais du time travel pour que Shino soit bien installé, donc je vais juste time travel d'un seul jour. J'en profiterai pour aller voir Runard. Évidemment. Et on ira prendre la photo de Shino. Dan, 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 dan. Ah, j'aurais mis 3 quarts d'heure hein, du coup. Hein. Le temps de me débarrasser de mon villageois et de récupérer tous mes tickets Miles Nook. Bom, 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 bom. On sait jamais, ok, où que je me fasse arnaque. Je screen comme quoi on est bon, que c'est bien 15 tickets Miles Nook et 1,5 million. On sait juste les tickets Miles Nook, en vrai de vrai, ça fait mal quoi. Ça fait mal. Mais en attendant, nous aurons Shino. Et j'espère que Shino, elle a pas la même personnalité dans le jeu que Jennifer. Déjà, Pécan, elle a changé parce qu'à l'époque, c'était un peu une tsundere pour moi.
Et là, en fait, elle a la même personnalité que Monica dans le jeu, je crois. Elle a une personnalité un peu grande sœur, je crois que c'est ça le nom. Non, je crois... Non, Monica, c'est pas cette personnalité-là qu'elle a. Mais Pécan, elle a la personnalité un peu grande sœur, comme Elisabeth, qui était une aigle blanche avec du vert qui était moche. Malheureusement. Tu me mettais n'importe quelle couleur autre que le vert, je l'aurais probablement gardé, Elisabeth. Vu que c'était l'une de mes premières villageoises. Bon bah c'est cool parce que ça veut dire pour les prochains streams, j'aurai deux sujets. Évidemment, continuer de farmer les poissons et les insectes. Et l'autre sujet, c'est de faire un quartier asiatique. Vu que là, on aura nos trois villageois que je veux mettre dans les asiatiques. À savoir Julie qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas trop asiatique, mais en vrai un pan... Un pan, c'est majestueux, et en vrai, au vu des... Un peu au vu des couleurs et des motifs, ça peut faire asiatique à la limite. Et après, bah, Pauline, qui est une pandate. Et évidemment, Shino, qui est une antilope japonaise. Alors, pourquoi antilope japonaise? Ça, faudra l'expliquer. Et en plus, je l'appelle Shino, mais Shino, c'est son nom anglais. Je crois qu'en français, ça s'appelle Shinobu. Bon bah plus que 3. Et bah je lui demanderai le code après. Bon bon bon. Par contre mon inventaire, j'étais persuadé qu'il était de 30. Mais je crois... Attends, parce que même dans Minecraft, je crois que l'inventaire c'est de 27. Après t'as 4 lignes d'inventaire. Mais oui, mais je crois que dans Animal Crossing, en fait, on peut augmenter l'inventaire, c'est pour ça qu'il est gros. Mais là, encore une fois, tu vois, un par un. Chiant. Chiant, un par un. Na 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 na. Eh ben, nickel. Bah, écoute, je vais bien compter pour voir si on a tout. Ah, il se stack, les tickets. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et bah nickel. Bah du coup, je vais juste dire que Monica, je veux récupérer mon argent. Parlons infrastructure. Ah mais attends, je peux garder mon truc pour Monica? Bah à la limite... Ah mais le problème c'est que comment je fais pour m'en débarrasser? Je veux pas le garder moi. Bon. J'espère que ça gêne pas et que je peux quand même me balader avec ça. On va regarder si je peux mettre un code. Et j'irai aux toilettes en attendant qu'il me le donne. Parce que j'ai peur que vu que j'ai le kit de construction de Monica, je puisse pas voyager avec. Bon, dans tous les cas, c'est sûr que dans mon inventaire, je pourrais pas m'en débarrasser. Je veux voyager. Ok, non, ça a l'air d'être bon. Allez voir quelqu'un. Un petit joueur en ligne. Ok, ça a l'air d'être bon. Eh ben, écoute... Ok, that's good. Ok, I have a place. And I have... Everything. Alors, je dis I have a place en mode I have a place. Dodo code. Bon, évidemment, pour des raisons évidentes. Hop. Ok, let me time jump so she's in boxes and then I send you the dodo code. Ok.
Bon bah toilette. Là, j'entends des hélicos dehors, mais c'est vrai? C'est vrai qu'il y a la... Il y a l'ouverture des Paralympiques? Ça a déjà démarré, je crois, non? Ouverture des Paralympiques. La cérémonie, le mercredi 28. À partir de 20h. Ah bah, ça veut dire que là, ça démarre. Ça a démarré tard. La dernière fois, c'était 19h, je crois. 19h30, je sais plus. Eh ben, écoute. Bon, pour le coup, la cérémonie d'ouverture des JO normaux, je l'ai regardée en entier. Je pense que celle des paras, je la regarderai en fast. Oh, putain, quand ils ont dit « Ouais, ça va être inclusif et tout !» Oh là Oh là, danger! Ça vous a pas suffi, la leçon des JO? Non, non, vous forcez avec votre inclusivité de à la con, là, où il y a vraiment que Paris qui est dans ce mode-là. Il y a vraiment que Paris qui est dans cette mentalité, ça représente pas du tout la France. Ah bah oui, bah là, les milliards de polémiques qu'il y a eu, il y en a eu tellement. Oh là là. Je veux bien qu'il y en ait un petit peu, mais bon, pendant les JO, c'était... La cérémonie des JO, c'était vraiment une énorme partie du truc. Genre, ça aurait dû être à peine 10%, au final, c'était peut-être 33% des mises en scène, c'était que des trucs comme ça. Avec Philippe Catherine, là, en schtroumpf bleu, là, en mode Dionysos, en mode on ne reproduit pas le tableau de la scène, on reproduit la scène de Dionysos, là, de festival ou de fête, je sais plus quoi. Ouais, tableau qui est lui-même repris de la scène, donc finalement, vous avez bien fait la scène, les gars. Ah là là. Bizarre de corne. Un truc qui serait cool, c'est... Est-ce qu'ils vont... refaire le l'assassin à la Assassin's Creed. Ça, c'était cool, en vrai. Un bon truc de la cérémonie des JO normaux, c'était ça. La Jeanne sur son cheval de métal. Bon, c'était très très long, mais en vrai, c'était cool, ça. C'était sympatoche. À toutes les phases Assassin's Creed. Le tout début avec Jamel Debbouze et Zizou. Zizou Christ. C'est vraiment que quand j'en ai parlé à mon père, parce qu'il n'a pas vu la cérémonie, c'est quand j'en ai parlé à mon père que j'ai compris pourquoi il a dit Zizou Christ. En mode de Jésus Christ, Zizou Christ. Donc j'avais compris qu'il parlait de Jésus Christ, mais je ne pensais pas. Enfin, j'avais pas fait le rapprochement en mode Zizou, c'est Jésus, tu vois. Vraiment, quand tu le prononces très mal, Jésus, ça peut faire Zizou. Et si Zizou Christ ? Voilà. Voilà. Les petits accents. Bon, mis à part ça, j'attends le dodo code. J'ai l'argent.
Ok, I have a place and I have everything. Non, c'est vraiment avant, quand je parlais en anglais, j'essayais de... Ah, il y a Oshinoko qui est sorti, tiens. J'essayais d'avoir un minimum d'accent anglais, on va dire, d'avoir mes R bien dit. Mais maintenant, vraiment, j'ai plus envie d'en avoir rien à foutre. Enfin, j'ai envie de ne plus en avoir rien à foutre. Enfin, je sais pas si je me trompe, mais bon. De bien parler. On va dire. De parler avec un bel accent français, là. Mais ils aiment bien les étrangers. C'est comme nous, les accents italiens, espagnols, bah, allemands peut-être un peu moins. Mais on va dire les accents anglophones, hispaniques, etc., italiens, enfin voilà, autour de la France. Tous ces accents-là, enfin même tout con, québécois, belge. En vrai, ça nous fait marrer, mais on les trouve cool, ces accents. Enfin, c'est rigolo, tu vois. Mais du coup, c'est de la même. Quand tu parles en anglais et que t'es français, que t'as ton accent français, ça, les gens, ça les fait rire et ça donne un charme, un accent. Bon. Let me time jump. Il m'a dit ça il y a 7 minutes. Bon. J'ai des messages sur WhatsApp. Trop bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Que fait ma sœur? Oh, ils ont fait... C'est quoi? C'est du paddle. Oh, du paddle en Côte d'Azur. Ça, c'est cool. Putain, c'est vrai que c'est fou, ça, les paddles, ça se gonfle. Je trouve ça fou de se dire que le paddle, ça se gonfle, alors que le machin est hyper dur, quoi. Tu dis, tu pourrais gonfler un bateau, en vrai. Enfin, bref. Est-ce que j'ai des trucs sur Instagram? Oh, de belles photos, ma sœurette. C'est beau, c'est beau. Bon bah voilà, je sais pas quoi dire. Sinon, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Moi, ça va. J'ai vu sur Genshin, là, les trucs qu'il y avait. Sympatoche, là, Genshin Natlan. Juste, le problème, c'est que pour avoir des primogèmes, faut finir le premier acte de Natlan. Je sais plus s'il y a les deux premiers actes ou s'il y en a un seul, mais je crois qu'il y a les deux premiers. Du coup, t'es obligé de finir sous 42 jours. Je t'avoue que ça me fait un petit peu chier, ça. Mais bon. Ouais, c'est pas si grave. En vrai, je pense que d'ici 42 jours, on sera en quoi? C'est dans 8... Non, c'est dans 6 semaines. Donc, 1, 2, 3, 4, 5... 6... Ouais, d'ici 9 octobre à peu près, je crois, si je me trompe pas. Ça devrait aller, je pense que j'aurai fini d'ici là. Ah, ça y est. Alors, Ah bah là, ah oui, c'est vrai que là on peut entendre, genre là si je clique sur une lettre, on sait ce que c'est. Blabla 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 blabla. Alors, tac 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 tac, confirmé. Recherche des îles que tu pourrais aller visiter. Il semblerait qu'on ait un départ imminent pour Leilani. Ça t'intéresse? Oui. Et là mon record de crash. Ou pire, la capture. Le record, c'est pas grave, mais la capture, ça l'est. Hein, j'ai regardé d'ailleurs s'il n'y a pas de soucis. C'est bon. Eh ben, nickel. Ah, Shino. Et en vrai, ça s'est fait vite, hein, parce que je lui ai dit à 19h que j'étais intéressé. Et là, à 20h, je lui dis « Ok, bah c'est bon. » Putain, ouais, ça m'a pris une heure depuis son contact. Eh ben, nickel. Alors... Waouh.
Ah bah là, c'est typiquement ce que je disais. Les gens qui font des trucs de dingue. Waouh. Ouais, vu le perso, ça doit être une meuf. Ah non, mais Animal Crossing... je vais pas dire, hein. C'est un jeu qui est très mixte. Mais voilà. Yo, tu trouveras plus de joueuses d'Animal Crossing que de Smash Bros, je pense. Ouais, c'est qu'elle a besoin de rien, en fait. Mais attends, mais comment elle a Chino? Parce que elle joue depuis longtemps, hein, je pense. Bandou, hein. J'ai aucune idée de comment on fait des trucs comme ça. Bon, vas-y, je te suis. Je sais pas comment on fait. Non mais vraiment, quand je vois ce genre d'île, mais je me dis, mais c'est fou. Et là? Bon, allez. Lâchez. Lâcher. Ouais, je me permets de pas vérifier la marchandise, je lui fais confiance. Ah. Il faut que vous ramassiez, madame. Moi, j'ai confiance. Merde. Bon. Je suis trompé. Ça se trouve, elle a plus de place. Ah, 99 000. Hop. Lâcher. Ah, putain. Ça, j'empoche. Et les tickets. Allez. Je sais pas comment on fait des réactions. J'en fais jamais. Et là, je me suis fait baiser. Ah, bonsoir, je suis Lival. Oh, une nouvelle tête, enchantée, je m'appelle Shido. Je t'aurais bien proposé de faire la fête, mais je suis sur le départ. À moi, l'horizon inconnu est vierge. Alors, ce sera pour une autre fois, je sais pas encore où je vais me poser, alors si tu veux bien m'excuser. Je voulais bazarder des trucs pour voyager plus léger, mais je sais plus ce que j'ai emprunté à ma mère. En vrai, je kiffe cette île, mais je veux voir le monde et vivre des aventures incroyables. Je me demande par où je devrais commencer mon fabuleux voyage. Par mon île, peut-être ? Île de Lival ? Ouais, c'est une idée, pourquoi pas. Et puis, si t'es là, la teuf est garantie. Ah, je contacte le bureau de résident, on verra s'ils ont de la place pour moi. Écoute un peu ça, j'ai réussi à contacter le bureau de résident de la ville et... Je peux emménager sur l'île, prépare-toi la ville, c'est Chino que v'là. Let's go. Je t'aime bien moi. C'est comme ça que j'ai mis les voiles. T'as vu cette réplique? Ah ah. Eh ben, let's go. Eh ben... Thank you very much. Comment je fais des réactions? Bah je sais pas. Thank you. Mais incroyable son île, hein. Enfin du peu que j'ai vu. Et imagine là je me fais baiser et elle me kick de son île. Non, je crois qu'elle peut pas me kick de son île. Comment je fais pour partir après? Bon bah moi il me manque plus qu'un insecte. Ah ouais putain. Je veux rentrer. Eh ben nickel, bah trop content. Trop content. Ça m'est bien. Eh ben nickel. La puce de con. Ah, je l'ai la puce. Je l'ai. The lait, la pupuce. Eh ben, ça m'est giga bien. Et est-ce que du coup, il mec, c'est bon? Non, bah écoute. Ouais, de ce que je vois sur son île, elle a que des... Parce que j'ai vu deux antilopes. Et c'est étonnant qu'elle se débarrasse de Chino. Parce qu'on a vu... J'ai vu une antilope, là, je vois qu'elle a un cerf sur son île.
Eh ben écoute. Eh ben écoute, moi ça me va. Bah écoutez, sur ce, je pense que je vais garder pour toujours sur moi le kit de déménagement de Monica. Comme ça, je sais qu'elle ne partira jamais de mon île. Ah. Pourquoi j'ai gagné des tickets, là? Et là, il y a quoi? Changer des Malznuk. Ah, bah oui, tout simplement. C'est quoi, ça? Taper sur des pierres. Ouais, en vrai, vu que c'est facile, je vais le faire, hein. Alors, avec quoi? Bon bah du coup, ah oui, c'est vrai que j'avais dit que j'allais chez Runar avant. Mais déjà, je reprends dans mon inventaire tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un coucou à Runar. Ah déjà, je vais récupérer tout ce que j'ai entreposé. Alors... Merde. La perche, l'échelle, la baguette, le filet. En vrai toutes mes pelles au cas où. Ma hache, un arrosoir, mes minerais de fer. Ah si. Putain, j'en ai plein en fait. Mes minerais de fer, mes branches. Et ma combinaison de plongée. Alors, je pense qu'elle est pas là. Oh putain, mais va la trouver par contre. Elle doit être tout en bas, j'imagine. J'espère. Maman de Veridad. Ok, elle est là. Alors, normalement, tout est bien dans l'ordre. Bah en vrai, c'est bien que le kit de Monica soit là. Bah voilà. C'est tout, j'ai rien oublié. Ouais, c'est bon. Eh ben nickel. Bah je vais juste reprendre ma baguette en main pour remettre mes magnifiques lunettes de soleil. Bam ! Ah ! Ouais. Hop. Ouais. Toi, tu partiras un jour. Non mais quand même, j'en viens pas. J'ai eu beaucoup de chance, hein. Il y a un combo de chance, hein. Quelqu'un qui veut bien se débarrasser de sa Chino. Quand je suis en train de streamer du Animal Crossing, c'est-à-dire une fois par semaine. En plus, il veut bien me le passer à moi parce que Chino est l'un des personnages les plus intéressants. Enfin bref, c'est le personnage le plus demandé. Enfin, l'un des plus demandés du jeu. Et en plus, il me l'a fait un prix qui était ok, quoi. C'est juste les tickets Malznuk en fait, je me rends pas compte. Je me rends pas compte si 15 c'était beaucoup pas. Mais je pense que juste elle est très avancée sur sa. Je pense qu'elle est juste très avancée sur son. Sur sa save. Donc je pense que c'est pas très grave qu'elle se soit. Attends, j'ai plus d'argent. Ah si j'ai de l'argent. Je pense que c'est pas très grave qu'elle se soit débarrassée de Chino pour ce prix-là. Non. Putain, encore la laitière. Mais elle est tout le temps là. Bon alors ici. Animal Crossing. Et attends, mais celle-là, elle est forcément vraie, non? Je vois pas à quel moment elle peut être fausse. Ah si, statue maternelle. Alors la statue maternelle, elle peut être fausse. Pour reconnaître le faux, il faut observer la langue de la louve. Ah, si elle a une langue qui sort, ça veut dire qu'elle est fausse. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait une. Non, mais on va examiner, mais il n'y a pas de langue, là. Ah oui, il n'y en a pas du tout. Bah, c'est bon. C'est l'original.
Mais oui, j'allais dire, je pensais que les statues, elles avaient pas de... de contrefaçon, mais si. On fait une pause. Oui. Pouelep, pouelep, pouep. Ah, sur millennium.org, on peut voir tout ce qui est disponible selon les mois. C'est bien ça. Je pense qu'on l'entend dans mon micro que quand je parle, mais là on entend les hélicos et tout. Bah du coup, je retire Shino de mes personnages que je souhaite. Bah du coup, les deux prochains personnages qui sont des grandes priorités... Oh merde, attends. Mes deux prochains personnages qui sont de grandes priorités, c'est Apollo, l'aigle blanc, et Peck. Et si t'as suivi un petit peu le let's play Animal Crossing de Antoine Daniel, tu sais qui est Peck. Il y a une langue sur la fosse. Ouais, pour la statue, c'était ça. Et après, bah, j'ai noté pas mal de villageois qui peuvent être intéressants, mais c'est des villageois que je prends... Oui, je connais Peck. Ah bah oui. Free Peck. Libéré Peck. Mais ouais, après, les autres villageois qui m'intéressent, donc Apollo et Peck. Et sinon, si je tombe sur eux par hasard ou que je peux les avoir à bas prix, Neferti, donc la chatte d'Égypte. Marshall, l'écureuil un peu jaune-blanc. Raymond, évidemment. Le chat qui a des yeux de deux couleurs. Et après, d'autres qui m'intéressent moins, mais si je tombe sur eux, je les prendrai. C'est Bianca, la tigresse blanche. Bud, le lion aux lunettes de soleil. Et Eugène, le koala rockstar. Voilà. Putain, ma caméra est très sombre. Je vais peut-être... Ouais, que si j'allume ma lumière, les moustiques vont peut-être... Les moustiques vont peut-être être attirés. Ça tombe bien, je déteste ces... les moustiques. Hop. J'ai vraiment un FRT. Eh ben, GG. Tu as deux des... Ah, nous accueillons, je dis non. C'est bien... Nickel. Tu as deux des villageois les plus demandés du jeu. Et moi j'ai Monica qui fait partie des plus demandés aussi. Et j'en ai un autre, mais j'ai oublié, c'est Shino. La deuxième qui est très demandée, c'est Shino. J'ai 90% qui sont très demandés. Oh là là. Non mais c'est beau, hein. Allez, plus que Gradu Béalis. Et après, j'aurai que des villageois que j'aime bien. C'est vrai que Shino, j'avais dit que j'irais prendre sa photo. Mais déjà, on va lui parler. Du coup, elle habite là maintenant. Putain, mais même l'extérieur de sa maison est joli. Ouais, je vais encore avancer d'un jour parce que j'ai peur qu'elle soit stuck dans les cartons. Ok, cool, Lival, merci pour ta suggestion l'autre jour. Tu avais raison, Lival, cette île est à couper le souffle, je suis content d'y refaire ma vie. Enfin, en même temps, tu regardes là où t'étais avant, c'était incroyable. On se voit dès que j'aurai vidé mes cartons, ok? Ces trucs à ranger, ça prend des plombes. Raymond, Capri, Capri. Oh, tu as Monica aussi, ah bah oui. Capri. Attends, Capri, Animal Crossing. Capri. Ok. Ramsès. Ah, Ramsès, ah, eh oui. Il s'appelle Lucky en anglais. Pauline, Shino, Neferti. Ok. Bah oui, bah là, dans le tas. Et attends, Ah, Kiki, j'ai... Kiki, Kiki. Ah oui, lui, je me souviens de ce chat. Ouais, Kiki et sa tête. C'est vrai qu'il est rigolo. Donc ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais revoir Runar. Comme ça, je vais re-time travel pour bien valider que Shino, elle a retiré ses cartons.
Parce que ça, je sais plus, mais j'ai peur que le fait de time travel en arrière, ça me nique le jeu, on va dire. J'ai peur que ça fasse ça. En dixième, j'ai Bill, mais je veux Abraham. Abraham, c'est pas un lion ? Pas du tout. Et tu as dit que tu as Bill. Ah ouais, Bill. Attends, il y a deux Bill. Bill, le canard rouge. Ah non, je pense que c'est le... Ah, je sais pas, en fait. Je sais pas, il y a deux Bill dans le jeu. Il y a un ours bleu qui s'appelle Bill. Ouais, l'ourson bleu, ok. Ah, mais j'ai dit que c'est une pondate, mais non, en fait. Pauline, c'est pas une pondate, c'est une oursonne. Allez, sur l'île de Joe. Rodrigue, y a quelqu'un qui veut te voir. Non, mais il est mignon en vrai. Bah, c'est en anglais, Bill. C'est un canard marron foncé. Je le trouve un peu mignon en vrai. Bon, alors bah, du coup, je rouvre mon site pour avoir Runar. Hop. Ah, ouais, mais en fait, c'est juste qu'il y a tout le temps la laitière. Tant que je l'achète pas, elle sera tout le temps là. Bon, alors, comment elle s'appelle celle-là? La toile gracieuse. Alors, comment savoir si elle est fausse? C'est selon la taille. La fausse, la femme, elle prend une grosse partie. Ouais, je crois qu'elle est fausse, celle-là. On va regarder, mais celle-là, ça a l'air d'être la fausse. Ouais, si, c'est la fausse. Ça se reset toutes les semaines normalement. Parce que la laitière, je l'ai H24. Bah écoute, je vais save. Comme ça, on valide bien que Shino, elle a retiré ses cartons. Et après, bah, je retime travelerai à ma date. Et je m'arrêterai là. Pour ce soir. Enfin, évidemment, je vais re... Oh, quoi que non, je vais pas revoir Runar au cas où de le faire bugger. Parce que, imagine, là, je vais voir Runar et il me dit « Ouais, vas-y, le tableau, pas de souci, tu le prends. Ok, il arrive demain. » Mais le problème, c'est que demain, pour le time travel, c'est en novembre. Ça pose problème, ça. Ça laisse pas indifférent. Et en vrai, je crois que les œuvres d'art, c'est des objets qu'on peut drop. Donc en vrai, de vrai, si je veux, je peux faire du trafic d'œuvres d'art et je peux avoir très facilement toutes les œuvres d'art qui me manquent, je pense. Donc du coup... Est-ce qu'elle est chez elle hein? Ah, c'est rigolo, la cheminée, elle est comme ça. Bah du coup, prochain stream, qui sera a priori mercredi soir prochain, on s'occupera du quartier asiatique. Ah. Bah. Attends, j'ai oublié de time traveler. Je crois. Merde. Ouais, je regarde sur Nokazu, Nokaou. Ouais, non, y a personne. Y a aucun villageois qui m'intéresse. Non, de toute façon, si là, y avait eu un villageois qui m'intéresserait, je pense que j'aurais pas tryhard. J'ai eu vraiment de la chance que Kurt se barre. Non, bah c'est cool. Bonne petite session. Dommage que j'ai pas eu le Corifed encore une fois. Mais bon. Le Corifed.
Vraiment, je sens... Ah, ce petit bâtard-là, je vais le mettre du dent avant d'avoir. Ah, c'est rigolo que j'ai Switch Sport là. Peut-être c'est juste quand tu rentres la cartouche dans la Switch, ça le passe en premier slot. Donc là, on est bien le 7. Le 7, c'est quoi? Parce que si c'est un dimanche, en vrai, je vais peut-être m'acheter des navets. Tac. Ah, dommage, c'est un samedi. Bon, oh, c'est vrai que j'aurais juste pu passer au 8. Là, il faudra que je me refasse en navet, en fait. Il faudrait que j'achète les navets à Porcelette. Et après, bah, que je trouve un bon vendeur. Mais bon, c'est simple de se faire de l'argent. Faut juste espérer qu'il y ait quelqu'un qui te mette bien. Bon alors j'espère que c'est bon là, que Shino tu es bien installé chez toi. Parce que ça commence à être embêtant. Spoilette, pouette, pouette. Bon j'en profite pour regarder. Ah, ça y est. Eh bien nickel. Bah du coup je vais remettre la date à la normale. Ouais, si ça se trouve, vu que c'est ma dernière villageoise, ils m'ont pointé sur elle. Eh ben, nickel. Alors, console. Pouette, 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 pouette. Alors, c'est où déjà? Paf, paf. Il est bien 20h32, le 28-8. Eh ben écoutez, je vais juste relancer là pour voir si tout va bien. Heureusement que Resetti n'existe plus. Parce que là, avec le time travel que tout le monde fait, pour se débarrasser de ces villages, sinon tu devrais sauvegarder à chaque fois. Et bah la miniature de la VOD, ça sera notre petite Shino qui sera dessus. Et les insectes, bah tant pis. J'aurais bien mis des insectes sur la miniature, mais en vrai, je ne pense pas. Papa, papa. En vrai, à 20h30, normalement, tout le monde est au moins chez soi. J'y pense, Resetti, est-ce qu'il est dans le jeu? Il n'y a pas une histoire comme quoi il a pris des vacances ou un truc comme ça? Parce que je crois que... Enfin, j'ai pas souvenir de l'avoir vu. Je crois que j'ai déjà entendu parler de lui ou que j'ai déjà vu une photo de lui. Ah, attends. C'est pas sur le téléphone? Je crois que c'est au téléphone qu'on sait. Bon par contre, j'espère que le jour où je... Si je refais une pause à Animal Crossing et que je reprends le jeu, j'espère que je me souviendrai pourquoi j'ai le kit de Monica sur moi. Bon en vrai, on va en profiter. Waouh, 1900. Rang B. Ah, mais pourquoi ça a baissé? Comment ça se fait que ça a baissé? Monica. Tu sais, je croyais avoir perdu mon parapluie, et ben il n'avait pas bougé de chez moi en fait. Ou alors il est revenu tout seul. Bref, entre temps, j'en ai acheté un autre. Du coup, je t'offre le vieux. Merci. Trop mignonne, j'adore Monica. Cette courte période de l'année durant laquelle Dame Nature fait souffler le chaud et le froid. Ouais, ça a revanché. J'aimerais pouvoir être aussi dans l'indécision. D'accord, maman. D'accord. Jennifer, ta gueule. Je pense que je vais beaucoup lui parler à Shino pour qu'elle fasse partie de mes meilleurs amis. Jaco. Jaco. Comme elle est ouverte apparition le 31 octobre hors d'Halloween. Jaco. C'est qui ça? Comment ça s'écrit? Jaco. Animal Crossing.
Je n'ai... Ok. Espèce spectre. Ok, je n'ai jamais vu ce PNJ de ma vie. Eh ben écoute. Ah, 62 000, ça baisse ? Attends, j'étais à 72 avant, non ? Ah, quoique, je sais pas. Manque-nous. Ah. Maman. Ah, c'est à chaque changement de saison, elle, qu'elle doit nous parler. Avec les cartes Amiibo, il peut y être, mais je crois son frère peut-être dans le café. Son frère ? Ah. Voilà une de mes fringues favorites de tous les temps. Super coupe des couleurs à tomber. C'est un joyeux stylistique. J'espère que ça sera la cerise sur le gâteau de ton look déjà cool, Ivan. Merci beaucoup, Monica. Tu sais comment parler aux hommes. Pas ta gueule. Et Runarorama dans la poche. Eh bien, nickel. On peut poser les œuvres d'art sur le sol. Ouais, voilà, vu que c'est une feuille, en fait, on peut se les interchanger avec les gens. Putain, avec les bébés, là. Les bébés qui veulent manger, le loup. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Combinaison de peintre. Oula, qui m'a donné ça? À cause des cafards. Ah! Tapis de cuisine de maman jaune. Oula, vu le nom, j'ai peur. Portrait de Jaco. Ah, bah écoute. Coussin de maman. Hé, hey, gamin. Oui. Salut, j'ai une autre mimique. C'est la perplexité. Mais c'est bien quand les enfants, ils jouent au jeu, ils apprennent des trucs. Et là, parapluie forme, fleurette. Oh, sympa. Merci Monica. Bah écoute, prochain stream, je me débarrasserai de tous les cafards. De la flemme. Quoique. En vrai, c'est fait au moins. Bon, j'entrepose tout. Merde, il est où le cafard? Putain, je l'ai perdu. Bon allez, on va faire toutes les salles comme ça, au moins ce sera fait à la limite. Oh. Ouais, tout à l'heure j'ai vendu mon marlin bleu, mais j'en avais bien un autre en réserve au cas où. En vrai, faudrait vraiment que je fasse ma petite salle des poissons. Hein. Enfin, c'est celle-là, ma salle des poissons, mais j'aimerais plus de poissons. Toujours plus de poissons. Là, c'est mon gyroïde Dex. Tous mes gyroïdes y seront là. Ah, il respawn. Même si tu le butes dans la salle principale, il peut y respawn. Et c'est quoi l'idée? C'est qu'il y en a 5 qui te baissent de 2000 par personne? Non, pas là. Regarder en haut. Oh non, saleté. Paf. Ah, c'est vrai qu'il y a la photo de Chino. Ouais, j'ai la flemme de le faire maintenant. Je vais me le noter pour la prochaine fois. Récup photo de Chino. Voilà. Avant d'oublier. Voilà, sur... Comme ça, elle va rejoindre les villageois que moi j'aime bien. Avec Monica. Et bah du coup, je pense qu'il me manque plus que le sous-sol. Dans la salle de gamers. Bom, 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 bom. Ouais, peut-être que je bougerai mon sélacante. Hein. Après, j'aime bien le sélacante qui soit ici. J'ajoute un petit truc. Ah putain, donc il me... Ah, voilà. Je me disais, attends, il me manque encore. Ces vilains cafards ont disparu. Et bah nickel. Eh ben écoute, sauvegarder et arrêter. Et puis voilà. Eh ben écoutez, sur ce, moi je vais m'arrêter là. Ce fut un tellement long stream que si j'éteins ma lumière, eh ben il commence à faire bien nuit. Eh ben merci beaucoup d'avoir regardé ce stream. Ou évidemment cette VOD. Ce fut un plaisir comme d'habitude de jouer sur ce jeu vidéal.
Et écoutez, ce soir, on est déjà le soir, mais après manger, je lancerai du Sonic Frontiers sur le DLC. Et je ferai tout pour finir le jeu, même si normalement, je ne devrais pas en avoir pour très longtemps. Voili voilou, et bien sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis bien évidemment à la prochaine, pour un prochain streaming. Allez, salut !